pas branché. C'est pas grave. Okay.
Hello everyone, welcome, bienvenue à tous. My name is Caroline Bertinesch. I am president of the Academic Board, and it is an honor and a privilege to be hosting this ceremony today, during which we will be honoring and awarding 6 honorary doctorates to a very prestigious, a very distinguished, and a very diverse group of nominees. We at UGA all feel very proud that they accepted the nomination, and I wish to offer my congratulations to them, but also extend my deepest thanks to their sponsors, as they are about to celebrate each nominee's exceptional accomplishments and scholarship. C'est donc avec un grand plaisir et une grande fierté que je vous propose d'ouvrir cette cérémonie Docteur Honoris Causa 2023, que je vous souhaite aussi mémorable que le parcours de ces lauréats. Et donc maintenant, place à la musique d'ouverture par l'ensemble de musique de chambre de l'Orchestre des Campus de Grenoble et l'entrée solennelle en toge, depuis les loges vers la scène, des futurs récipiendaires, de leurs parrains et marraines et du président de l'UGA. J'ai maintenant le plaisir d'accueillir sur scène le président de l'Université Grenoble-Alpes, président Yacine Laknech, pour le discours d'ouverture.
de l'Isère. Monsieur le représentant de Taïwan en France, Votre Excellence. Madame la deuxième secrétaire en charge du service de coopération éducative, scientifique et technologique de l'ambassade du Brésil en France. Madame la consul générale d'Irlande à Lyon. Madame la vice-consul en charge des affaires économiques et académiques, représentant le consul, chef du bureau consulaire du Japon à Lyon. Madame la consul honoraire du Canada à Lyon. Monsieur le président du tribunal administratif. Monsieur le maire de Meylan. Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, chères étudiantes, chers étudiants, chers collègues. Nous sommes réunis ce jeudi 12 octobre 2023 dans l'amphithéâtre Velle de l'Université Grenoble-Alpes pour remettre le docteur honoris causa à Katsuhiro Akimoto Sensei, professeur en sciences appliquées à l'Université de Tsukuba, Tania Cremonini de Araujo Jorge, directrice de l'Institut Oswald Cruz, professeur en santé publique, Wen Chang Chen, président de l'Université nationale de Taïwan, professeur en génie chimique, Reinhard Genzel, prix Nobel de physique 2020, professeur d'astrophysique à l'Université de Californie, directeur de l'Institut Max Planck de physique terrestre. Mona Nemer, conseillère scientifique en chef du Canada, professeur de cardiologie moléculaire à l'Université d'Ottawa, et Louise Richardson, présidente de la Carnegie Corporation de New York, professeure de sciences politiques à l'Université d'Oxford, qu'elle a présidé entre 2016 et 2023. Le titre de docteur honoris causa est la plus haute distinction décernée par les universités françaises. Il est attribué à des personnalités de nationalité étrangère en raison de services éminents, rendus aux arts, aux lettres, aux sciences et techniques, à la France ou à l'établissement qui décerne le titre. La remise du titre de docteur honoris causa reflète pour l'IGA son ouverture sur le monde et son attachement à la diversité et à la quête de la vérité scientifique. Jamais plus qu'en ce moment, le monde n'a eu besoin de la science et de l'université, lieu de production de la connaissance et de diffusion du savoir. Chacune et chacun d'entre nous est conscient des tensions et des menaces qui pèsent sur notre planète. Chacune et chacun est conscient de l'urgence d'agir. L'Université Grenoble-Alpes est en train d'agir par la recherche qu'elle mène et qu'elle diffuse et la formation de citoyens éclairés et à l'esprit critique. Chers récipiendaires, en acceptant ce titre de docteur honoris causa, vous nous honorez. Vos parcours et vos valeurs nous inspirent. Il nous exhorte à nous élever et à suivre vos modèles. Chacune et chacun d'entre nous, vous, par vos parcours académiques remarquables et l'excellence des recherches que vous dirigez dans les domaines de la santé publique, de la génétique moléculaire et la régénération cardiaque, des sciences politiques, des semi-conducteurs, de la chimie, des matériaux fonctionnels, de l'astrophysique, ainsi que par les liens scientifiques et amicaux que vous avez tissé depuis de nombreuses années avec l'Université Grenoble-Alpes, vous reflétez les valeurs de l'université. J'aimerais finir par une citation de Nelson Mandela, « Que vos choix reflètent vos espoirs et non vos peurs. Gardons l'espoir en un monde de paix, de justice et une planète à l'avenir durable. » Merci. So I'd like to first invite to the stage our first nominee, Professor Katsuhiro Akimoto, and his sponsor, Etienne Guerrard. Monsieur le Président de l'Université Grenoble-Alpes, cher Yacine, Monsieur l'Administrateur Général de Grenoble INPUGA, cher Pierre, dear Akimoto Sensei, mesdames et messieurs, chers collègues, étudiantes et étudiants. C'est un très grand honneur d'accueillir le professeur Akimoto et un grand plaisir de le présenter. C'est néanmoins une tâche difficile, tant son parcours professionnel est riche et ses actions pour la communauté scientifique et universitaire, en particulier dans sa dimension internationale, diversifiée. S'il faut résumer en une seule phrase,
Je dirais que le professeur Akimoto, c'est un artiste de la table périodique de Mendeleïev. Comme le peintre qui pioche dans sa palette de couleurs pour faire un tableau, il pioche dans la table périodique pour composer de nouveaux matériaux et répondre ainsi aux enjeux sociétaux. Son premier tableau de maître, il l'a réalisé alors qu'il était chercheur au centre de recherche de la société Sony, qu'il a rejoint après avoir obtenu son diplôme à l'université de Kyoto, une des plus prestigieuses universités du Japon. Il y contribue au développement d'un nouveau matériau qui révolutionnera le stockage de l'information en permettant la réalisation de diodes laser bleus. Ces deux autres chefs-d'œuvre ont été réalisés ensuite dans la très dynamique université de Tsukuba, qu'il a rejoint en tant que professeur après 14 ans de recherche chez Sony. Il s'attaque alors à deux nouveaux défis sociétaux, qui sont l'éclairage solide à faible consommation pour remplacer l'ampoule à incandescence et l'énergie solaire. À nouveau, il explore la table périodique de Mendeleïev pour répondre au mieux à ces enjeux. Il développe des semi-conducteurs qui n'existaient pas et démontre le fonctionnement de dispositifs associés. Il développe également des méthodes spécifiques pour l'étude de ces nouveaux matériaux. Une étape importante de sa carrière fut un séjour de 5 mois à Grenoble, importante d'abord pour les échanges scientifiques, car pendant ces 5 mois, il se forme à la croissance du matériau qui allait révolutionner l'éclairage solide et qui va demain révolutionner la conversion d'énergie électrique. Mais important aussi parce que cela a posé la première pierre de la collaboration entre nos deux universités. Son impact sur la communauté scientifique se traduit par une production scientifique impressionnante, avec 216 articles dans des revues, 12 ouvrages, 34 brevets. Il a aussi pris des responsabilités importantes à l'université de Tsukuba, que je ne détaillerai pas ici. Une autre facette du professeur Akimoto est son enthousiasme pour les relations internationales. Il a développé des relations avec des universités de différents pays, notamment en Asie, mais bien sûr, je vais me focaliser sur la relation qu'il a développée avec Grenoble. Dès le début des discussions avec l'UGA, qui était alors l'université Joseph Fourier, en 2001, il a été le moteur japonais de la collaboration entre nos deux universités. D'un accord initial signé en 2002, et grâce à son implication, son charisme, sa lucidité et sa force de conviction, la collaboration s'est étendue et renforcée, année après année, pour arriver au partenariat stratégique actuel. C'est maintenant une collaboration exemplaire dans le contexte des relations universitaires franco-japonaises. Exemplaire par sa diversité thématique, sa dimension académique au sens large, qui inclut la formation et la recherche, et son équilibre dans la participation des deux sites dans cette collaboration. C'est aussi une collaboration qui entraîne dans sa dynamique des entreprises, des collectivités territoriales et les grands organismes nationaux de recherche, en particulier le CNRS. Enfin, malgré la solennité de cette cérémonie, je vais me permettre une petite digression un peu plus personnelle pour vous illustrer la place qu'a pris le professeur Akimoto à l'université après 23 ans de collaboration. À Grenoble, le professeur Akimoto a un surnom. Tous ceux qui sont impliqués dans ce partenariat stratégique le connaissent. C'est Mr. Wolf. C'est une référence au film Pulp Fiction, que vous connaissez sûrement, quand les protagonistes sont dans une situation inextricable, qu'on ne voit plus de solution, Mr. Wolf est appelé. Il arrive en se présentant ainsi, « My name is Winston Wolf, I solve problems ». Les relations franco-japonaises, c'est difficile. Les différences culturelles et la structure de l'université font que c'est un parcours semé d'embûches. Et quand on a des difficultés, et ça arrive régulièrement, on appelle le professeur Akimoto et le problème se résout. Donc légitimement, dans le contexte de nos relations entre nos deux universités, il devrait se présenter ainsi. My name is Akimoto, I solve problems. Je termine là ma digression, je reviens à l'essentiel, par sa contribution scientifique aux enjeux sociétaux. La construction du partenariat stratégique, notre communauté académique est honorée d'accueillir en son sein le professeur Akimoto. Professeur Akimoto,
conformément à la délibération du conseil d'administration de l'Université Grenoble-Alpes et vu l'avis favorable du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, j'ai l'honneur, au nom de notre communauté universitaire, de vous conférer le titre de docteur honoris causa de l'Université Grenoble-Alpes et de vous en remettre les insignes. Le premier, ça prend un peu de temps. Toujours le test. Ah, merde, merveilleux. Bravo. Bravo, c'est pas évident. Tu peux remettre ça ? Je vais prendre le micro. Étienne, vous prenez la photo ? Et la photo avec Étienne. Tous les trois. Deuxième photo, non, avec le consul, je crois, c'est ça, Lumna, le consul qui est là, normalement, pour prendre une autre photo. C'est après ? D'accord, ok, donc c'est bon, je te libère alors. Ah, je vous en prie, allez-y. Ladies and gentlemen, distinguished participants, it's my great honor to be here today. I am Akimoto from University of Tsukuba. First of all, I'd like to express my sincere thanks to everyone involved in this honorable doctorate nomination. I have been working in the research field of semiconductor material and devices. Today, I'd like to talk about, introduce my research experience. Here are my topics today. First one, I'll talk about solar cell. Introduce defect characterization. And the second, I'll show you the first laser operation in the blue spectral range. And the third, I'll talk about collaborative work between the University of Grenoble-Alpes and the University of Tsukuba. This figure shows the global energy consumption with a year. From 1990 to 2035. The energy consumption continues to increase every year, and it's expected to around twice over this 40 years. Global energy, content of energy is coal, oil, and natural gas. And they account for 80% of the total. Renewable energy, indicated by yellow color, also increases
continuously increase every year, and account for 10% in 2033. It is predicted to consume the energy, huge energy. This figure shows types of greenhouse gases. As you can see, carbon dioxide from the fossil fuel, and methane gas and others. Among them, carbon dioxide is about 70%. These carbon dioxide comes from fossil fuel. This fossil energy and solar energy was summarized like this. There are a few problems, concern about fossil energy, about environment, and also depletion. And for solar energy, although the there are a few concerns, but we can think promising for solar energy. This figure shows the material for solar cell. 90% of solar cell made of silicon. Remaining 10% is thin film type. Thin film type, there are several types of solar cells, like here. In my work, I focused to a copper indium gallium diselenide. It's called CIGS for short. In the right-hand side, this figure shows the CIGS solar cell. There are many layers, but principally, it consists of P-type material and N-type material. This figure shows schematic structure of solar cell. Solar cell consists of N-type and P-type. And carrier for N-type is electron. It's negative charged. And for P-type, hole with positive charge. And if the light is the incident, electron hole pairs are generated, and they are separated like this. And then resulting a potential difference between these two layers. This is the principle of solar cell. This shows the model of atomic layer, crystal. This one, atoms are arranged regularly. But for this case, atoms are missing, and inserted atoms here, and impurity atoms are incorporated. Such structures that
disturb the atomic arrangement is called defect. At defect, electrons and holes often combine. So, to improve convergence efficiency of solar cell, elimination of recombination center defect is very essential. To eliminate the defect, it is necessary to understand the defect properties. This figure shows photocapacitance spectrum. The vertical axis shows the capacitance of the PN junction, and the horizontal axis indicates the photon energy irradiated to the sample. Around this position corresponds to a band gap. If there is no defect, there would be no signal below the band gap. But as you can see, a shoulder peak was observed. This result indicates the existence of defect level at 0.8 eV. There are many, we performed many experiments to identify defect structure and so on. And then we found that 0.8 defect does not include the vacancy type defect. So we focused detection of anti-site defect. This spectrum, this shows the Raman spectrum. The peak position reflects the chemical one. So we can identify this peak comes from CIGS. And in the deteriorated sample, we detected copper-2 selenide here. And we make up a model like that. This is a unit cell of CIGS. Blue is copper, green, indium. When the copper incorporated in the indium lattice site, like that, this structure is similar to topaz selenide. So, like that, we identify the defect of 0.8. Electron volt defect. To understand the properties or optical properties, the defect works as recombinant center or not. It is very difficult to identify this role of the defect. So we developed a new method to identify the recombination center. This case, this shows electronic energy of the semiconductor. And if we irradiate the light above gap, right, electrons are excited like this, and some of the electrons recombine with a hole and emitting light. It's called photoluminescence. And some of the electrons
recombine through defect. In this case, double excitation. In addition to the above gap excitation, this is a normal photoluminescence, we irradiate the light whose energy is corresponding to this defect level. So defect level is occupied by electrons like this. Then excited electrons here recombine only holes here. So we can expect high intensity of photoluminescence from this double excitation. Result is shown here. Red curve, double excitation. Green curve, normal excitation. As you can see, intensity increased by double excitation. This result indicates the defect works as recombination center. The future of defect was summarized like this. And using this result, Solar Frontier, which we were collaborating, was achieved, world record achieved, more than 22% in 2018. Qualifying the future of defect was exciting. Like detective in Mystery Novel, searching for some persons. Okay, let's move on next topic. The blue laser is used in many fields, like memory, display, writing, and so on. Today, I focus the memory, and I show you, introduce your background of memory. As you know, Thomas Edison invented the record, but the principle was proposed by Scott and Cross. They are French engineers. Maybe before 20 years from the Edison record. Edison record began to be sold in 1877. And then a CD was released in 1982, almost more than 100 years later. Generally, it is said product that lasts more than 100 years, not so many products. The recording that indicates the recording technology was highly excellent. This picture shows the record and the CDs. In the record, information was its rhythm in a groove. This, but
for CD, DVD, and BD information are written using PICT like this. You can find the PICT size is a different CD, DVD, BD. This comes from they are using laser wavelengths. Laser spot can be narrowed by the equivalent to the its wavelengths. For CD, wavelengths 780, and DVD 650. So gradually, we can decrease the spot size to use shorter wavelengths of lasers. This shows the schematic structure of laser diode. It also consists of P-type and N-type. And at the border, active layer is inserted. Biasing this structure, if we bias in this structure, electrons and hole are diffused and comes to this active layer. And then electron and hole recombine, resulting emitting light like this. To fabricate the blue laser, there are a few conditions require parameters like shown like this. First requirement is materials whose band gap energy is larger than 2.5 eV. It's okay. The second requirement, PN junction. At that time, fabrication of P-type materials was very difficult, but this problem was solved by US group researchers. And the third one, we have to fabricate the double hetero structure. This structure called double hetero structure. With lattice matching, we didn't have suitable material for double hetero structure. Then we developed new material by mixing mixed crystal with group 2 and group 12. This figure shows the double hetero structure energy gap energy diagram of double hetero structure. This is called band gap. Band gap energy of cladding layer have to be larger than the active layer. Then electron and hole can confine like this. This picture indicates the junction of different material. If the atomic distance is different between two materials, bond break occurs like this. And this it works as defect. So it's important to lattice matching for these structures. Two minutes.
This figure shows the relationship between band gap energy and the lattice constant. Two such materials are shown here. And if we use zinc selenide as an active layer, the quality layer should be this point. And this figure this picture shows the periodic table of the element, zinc and selenium right here. And generally, we add upper element of the periodic table, we can close up the band gap. And radius, atomic radius increases with decreasing periodic table. So it is not possible to change the band gap energy keeping a lattice constant. But magnesium here, this one, divalent atom. So we investigated the possibility to make mixed crystal. This is a result of the experiment. By mixing of zinc selenide and magnesium sulfide, we could grow the thin film material like this. This brown color means zinc magnesium sulfide selenide mixed crystal. And then we could get the cladding layer material here. This is a structure fabricated using a quaternary material. And this shows the relationship between light output and current. This gradual increase means LED mode and abruptly increase. This is one of the evidence of raising. Subsequent development of lasers are shown here. Zinc selenide based CW ablation was achieved in 1993. And gallium nitride based laser diode achieved in 1996. And lifetime at 2000. Zinc selenide laser, it was 500 hours. But gallium nitride, more than 50,000 hours. Then zinc selenide research activity shrunk. This shows the normalized emission intensity with H-pito density. H-pito density means the defect density. Most of semiconductors situated this region. Zinc selenide also this region. So generally, it is believed that the laser operation is necessary for the H-pito density lower than 10 to the 6. But indium gallium nitride is position is like that. The defect density is more than 10 to the 9th. So it was very difficult to understand the reason why gallium nitride based laser diodes have so long lifetime. And quaternary layer mixed crystal is easier to grow. At that time,
I think the nature is straightforward. But this time, the nature seems capricious. But that's what makes it interesting. This, let's move on next topic, about collaborative work between Grenoble, University of Grenoble-Alpes and the University of Tsukuba. We have education program and also research project. For our education program, we started the short-term exchange in 2002, and then started a double degree for PhD students in 2015, and extended to the master level in the field of material science and computer science and chemistry. For the research project, we started the invitation program from the University of Grenoble-Alpes. These professors contributed to this project. And CNRS established the International Research Laboratory at the University of Tsukuba in 2022. This research project, the main subject of this research project is atomic layer processing. And this project includes related field shown like this. This related field was enhanced by double degree students, PhD students. So I think educational program and research project, their synergy effect is very good. Finally, I'd like to summarize our cooperative education program. This shows the figures of attending students. And there are many issues introduced to you, but today I focused this one. There are some students who had hoped to join a company have changed their plans to doctoral schools. I think the creation and the accumulation and the inheritance of creative wisdom is one of the most important human activities. I am very happy to be involved in the development of people who will contribute to this activity. Thank you very much for your presentation. Thank you very much, Professor Akimoto. I would like to invite to the stage now. You can take your insignia and you have your medal. And okay. I would like to invite to the stage now Professor Tania Sida de Araújo Jorge and her sponsors, Sabine Bailly and Jean-Jacques Fege. Please come to the stage. I messed it up, sorry. Monsieur le Président, chers collègues, mesdames, messieurs, c'est un très grand honneur et un immense plaisir pour moi de présenter aujourd'hui le professeur Tania Araújo-Jorge pour la remise du titre de docteur honoris causa de l'Université Grenoble-Alpes. Tania est une chercheuse de renommée internationale dans le domaine des maladies parasitaires.
Elle a entre autres développé le premier essai clinique sur la maladie cardiaque de Chagas en proposant le sélénium comme thérapie complémentaire. Tania est née et a grandi à Rio de Janeiro. En 1980, elle obtient son diplôme de médecine à l'Université fédérale de Rio et en 1987, son doctorat en sciences de biophysique. Après son postdoctorat en Belgique, où elle collabore avec de nombreux laboratoires belges, anglais, espagnols et français, elle est recrutée comme enseignante-chercheur à l'Institut de la Fondation Fiocruz à Rio de Janeiro, où institut qu'elle dirige aujourd'hui pour la troisième fois. Et Tania est à ce jour la seule femme élue à ce poste parmi 25 présidents. Tania s'est beaucoup investie dans l'enseignement en mettant l'accent sur la promotion de la créativité et sur le concept interdisciplinaire art et sciences. Il est important de préciser que la Fondation Fiocruz se situe au nord de Rio de Janeiro, dans une zone défavorisée où il est très important d'initier les jeunes au monde de la science et cet enseignement dans cet environnement prend tout son sens. Tania Rojo Giorgi a signé plus de 200 publications, mais sa contribution principale est la formation de 35 docteurs, 32 diplômés de master et celle de nombreux jeunes en initiation scientifique et technologique. Tania est également consultante auprès de l'OMS, du ministère de la Santé du Brésil et auprès de plusieurs agences brésiliennes et étrangères. Santé, éducation, sciences et arts, pour cette spécialiste brésilienne des questions de santé publique, la transdisciplinarité est un levier pour faire face aux inégalités sociales et un facteur de développement culturel. Alors maintenant, je vais passer la parole au deuxième parrain, parce qu'elle a la chance d'en avoir deux, Jean-Jacques Fesch, qui va vous présenter l'aspect collaboration scientifique que nous avons avec Tania. Monsieur le Président, merci de participer à cette réunion. Chers collègues, notre collaboration avec Tania Rojo-Giorgi a commencé à la fin des années 90 sur la sollicitation de Tania. Tania collaborait déjà avec plusieurs chercheurs européens, dont Fred van Leuven et Maria Teresa Rivera en Belgique, Paola Minoprio, Marc Deron à l'Institut Pasteur, ainsi qu'Étienne Delain au CNRS de Villejuif. À l'époque, nous partagions un intérêt commun pour une protéine particulière qui s'appelle l'alpha-2 macroglobuline, et on aurait pu choisir de continuer notre collaboration sur ce sujet-là, mais il nous semblait que pour initier une collaboration de longue durée, mieux valait se fixer un objectif plus ambitieux et aller défricher des territoires inconnus. On a donc choisi un domaine de recherche à l'interface entre les compétences de nos deux groupes, à savoir l'implication de la voie de signalisation du TGF-bêta, qui était étudiée dans notre groupe à Grenoble, dans le développement de la maladie de Chagas, dont l'équipe de Tania était une spécialiste mondiale. La maladie de Chagas se caractérise par une fibrose cardiaque et hépatique débilitante. C'est une maladie très fréquente en Amérique du Sud et très invalidante. Et le TGF-bêta était connu à l'époque comme étant un acteur majeur de la fibrose, d'où le choix de ce projet. Notre collaboration a été soutenue pendant plusieurs années par un accord international réunissant un partenaire de l'UGA, qui est l'INSERM, et la Fiocruz. Cette collaboration a donné naissance à 18 publications internationales en commun, et surtout à l'échange de nombreux étudiants et d'ingénieurs de part et d'autre de l'Atlantique. Je voudrais souligner ici la participation active, en particulier de Mariana Wagabi et Claudia Coutinho, côté brésilien, et celle de Michel Keramidas, Christine Mallet et Agnès Castan du côté de notre laboratoire. Au-delà de la science que nous avons partagée ensemble, cette collaboration a été aussi une grande aventure humaine et l'opportunité de découvrir un magnifique pays doté d'une énergie vitale incroyable. Merci beaucoup Tania pour ces années de travail collaboratif passionné et de discussions scientifiques animées. Et on est très heureux de t'accueillir dans la communauté de l'Université de Grenoble. Alpe. Mr. President. Merci. Tania, conformément à la délibération du conseil d'administration de l'Université Grenoble-Alpes et au vu de l'avis favorable du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, j'ai l'honneur, au nom de notre communauté universitaire, de vous conférer le titre de docteur en excusa de l'Université Grenoble-Alpes et de vous en remettre les insignes.
toujours le premier le plus difficile. Ah, parfait. Magnifique. Et la photo avec les sponsors, Jacques. Bonjour à tous et à toutes. J'ai choisi de vous parler en français, en risque, même risquant de mes erreurs. Je voudrais d'abord remercier l'Université Grenoble-Alpes pour m'avoir fait vivre l'émotion de ce moment. Je demande mon premier slide. Ah, c'est ici. Oui. Ça passe? Non, ça va. Avant. Il a passé. Avant, c'est ça. Donc, je remercie d'abord l'Université Grenoble-Alpes pour m'avoir fait vivre l'émotion de ce moment. Au nom de son président, le monsieur professeur Yacine Lanek, à qui je rends l'hommage à tous les membres du conseil universitaire. Je remercie aussi mes chers copains de travaux ici à Grenoble, le professeur Jean-Jacques Feige et la professeure Sabine Bailly. Merci pour la gentille introduction. Vous symbolisez ici toutes les équipes de recherche de toutes nationalités. Merci de votre préférence et de votre présence physique ici et virtuelle à tout le monde. Je suis extrêmement touchée et j'ai choisi cette œuvre pour essayer aussi de vous toucher. Bon, quand on tenait l'honneur, vous êtes concédé, après plus de 45 ans de travail dans le laboratoire de recherche, on se demande qu'est-ce qu'on a fait pour être digne de ces surprises. J'ai refait le parcours qui m'a conduit jusqu'ici et j'ai demandé au professeur Feige de me prêter un diapo qu'il avait préparé pour son speech à Rio en 2005, quand on a célébré les 15 ans de l'accord Issyen-Fiocruz. On voit la fusion des œufs des déserts à Grenoble et les œufs de la plage de Rio. Ce chemin mélange ma vie familiale, de fortes traditions italiennes, où les gens parlent très haut et avec les mains, plein de passion et d'émotion. Ces racines de famille m'ont donné aussi ma formation classique en littérature française et en musique. L'art est entré dans ma vie avant la science. Le titre de ma lecture pour vous aujourd'hui, Sciences transdisciplinaires et transnationales, apprendre des personnes, des soins et de l'éducation, a l'intention de vous montrer un peu ce parcours et de discuter sur cette transdisciplinarité et sur la traduction de la science vers la société. Imaginez une jeune fille à 14 ans qui décide d'être scientifique après avoir visité un musée de sciences. C'est moi. Cette diapo montre dans le temps les institutions qui m'ont permis d'être ce que je suis aujourd'hui, une scientifique transdisciplinaire. La ligne suit de mon université au Brésil jusqu'à ce moment à l'université Grenoble-Alpes, en passant par mon entrée à l'Institut Oswaldo Cruz et à la Fondation Oswaldo Cruz, où je travaille depuis plus de 40 ans, et par le travail en Europe pendant mon post-doctorat. Je vais vous raconter un peu de cette histoire. Le choix de ma carrière en sciences médicales a été un peu dur, car j'ai dû presque abandonner la littérature et la musique que m'étirait vers les humanités. C'était 1975, au milieu des années de plomb, le temps de la dictature militaire au Brésil, et j'ai eu de la chance de suivre un stage d'initiation scientifique en morphologie, chimique et biophysique. Le développement de ma pensée critique s'est fait donc dans ce chemin interdisciplinaire, où la méthode scientifique m'était présentée au laboratoire de microscopie électronique en même temps que la science politique m'était présentée au sein du mouvement des étudiants et des scientifiques qui luttaient pour récupérer la démocratie à notre pays. C'était l'atmosphère turbulente de l'Université fédérale de Rio de Janeiro, où j'ai eu des collègues torturés ou morts. Je vivais déjà science, art et politique, risque, rêve et passion. Au cours de ma formation médicale, mes premiers sujets d'investigation étaient des cellules végétales et des structures de captation de calcium dans l'organe électrique du poisson de l'Amazonie. De la pure science de base,
Mon choix a un peu déçu ma mère, qui voudrait que je suive sa carrière comme médecin anesthésiste et rêvait de me voir chirurgienne. La science a donc dominé mon chemin pendant ce parcours, mais l'art ne m'a jamais laissé de côté. Le docteur Raoul Machad, mon premier directeur d'expérimentation, m'a fort influencé. Il jouait très bien de la musique brésilienne. Il avait travaillé avec Keith Porter, connu comme le père de la biologie cellulaire, malgré n'avoir pas gagné le prix Nobel en 1974, quand ses collègues de Duve, Claude et Palade l'ont acquise après la description des structures et des fonctions de plusieurs organes cellulaires. Dr. Raoult et son étudiant le plus proche, Vanderlei de Souza, m'ont conduit par un chemin de découverte de différents modèles et systèmes biologiques. Nous avons travaillé sur le poisson électrique de l'Amazonie, sur le système de synthèse protéique des larves de mouches qui font leur cocon avec des glycoprotéines fantastiques. Plus de 10 ans après, j'ai utilisé ces images pour inspirer la construction de modèles géants de cellules où d'enfants ou d'adultes pouvaient avoir une perception sensorielle d'entrer dans une cellule et découvrir ses éléments constituants, comme vous voyez dans cette diapo. Dans ce labo si créatif, j'ai eu la chance de connaître et de travailler avec deux femmes qui m'ont fort influencée, Maria de Nazaré Meirelles et Herta Mayer, qui a aussi travaillé avec une femme extraordinaire qui a reçu le prix Nobel, Rita Levi-Montalcini. Je vais vous montrer le premier film réalisé sur le cycle intracellulaire du parasite que j'ai étudié toute ma vie. J'espère que ça marche. Oui. Le film a été fait par Dr. Herta Mayer dans les années 60. On voit la pénétration de trypanosomes dans la cellule cardiaque en culture. Sa transformation en forme proliférative, on voit, oui, il transforme là, jusqu'à remplir tout le cytoplasme de la cellule hôte. On va voir aussi une mitose d'une cellule infectée. Et vous allez voir qu'elle se divise sans compter le numéro de parasites d'un côté et de l'autre. Et enfin, on va voir la différenciation pour une forme infectante. Et ça, c'est rempli de parasites. Et les formes prolifératives. Et ça, c'est fait aux années 60 sur des microscopes optiques. Et alors, ça c'est la... La différenciation, ce sont, sont ceux-là, les parasites qui sont infectieux. Et donc, le cycle recommence, multipliant la charge parasitaire. Ces images et les défis de travailler avec un parasite qui entrait dans des cellules cardiaques et causait une maladie tellement complexe m'ont décidément attiré vers ce domaine. Je vais voir si on peut sortir. C'est beau, hein? Je ne vais pas sortir. Bon, merci. Les contrats comme scientifique au plus ancien institut de recherche médicale au Brésil en 1983 m'a ouvert de nouvelles possibilités. Je le dois à l'éminent professeur d'épidémiologie et médecine préventive à l'université, le docteur José Coura, qui était le directeur de l'institut dans ce temps. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de diriger par la troisième fois cette puissante institution qui produit plus de 800 articles originaux par an dans les différents domaines de la science et de la vie et de la santé, avec une forte éducation professionnelle, 7 courses de maîtrise, 6 de doctorat et une action vers la société. La Fondation Oswaldo Cruz a 16 instituts. Ça, c'est un des instituts. On peut le voir sur cette affiche où le château Morisque de la Fondation Oswaldo Cruz a été envahi par les jeunes souriants vers la société dans le premier dimanche de sciences et arts en 1986. J'étais déjà mère de deux enfants, Luisa et Pedro. À la fin de ma thèse de doctorat, j'ai tombé sur cet article qui parlait de l'harmonie de la beauté dans la recherche médicale sur le Journal of Molecular and Cellular Cardiology. C'était le texte de Robert Hood Bernstein, dont la production sur la transdisciplinarité et les relations entre science et art j'accompagne jusqu'à présent. Richard Bing, un cardiologue et musicien, a dit sur les liens entre la musique et la médecine, une chose que les deux ont en commun, c'est la découverte ou la formulation des grands concepts. Un bon scientifique ne voit peut-être pas les arbres, mais il reconnaît la forêt. J'ai donc appris les différences entre actions interdisciplinaires
et sont interdisciplinaires quand on travaille au sein d'une seule discipline. Là, sont multidisciplinaires quand, quand des personnes de différentes disciplines travaillent ensemble, chacune apportant une expertise. Les projets et actions interdisciplinaires, quand on en intègre des connaissances et des méthodes de plusieurs disciplines en utilisant une véritable synthèse d'approche. Et finalement, la transdisciplinarité, quand on fusionne les domaines et les nouveaux domaines intégrés émergent, tels que la biophysique, la biomédecine, la biochimie, l'immunoparasitologie, la science et les deux communications. Alors, parlons un peu de la maladie de Chagas. Pour vous présenter ce que nous avons fait ces dernières années sur ce sujet. Le Brésil, l'Argentine et le Mexique sont les pays avec le plus grand nombre de personnes qui vivent avec la maladie de Chagas. Se suivent les pays d'Amérique latine, les États-Unis, l'Europe et d'autres continents. Les personnes infectées sont estimées par l'OMS en plus de 6 millions, avec 12 000 morts par an, dont plus d'un tiers au Brésil. La maladie de Chagas se présente en deux phases, la première aiguë, pendant 2 mois, quand on trouve beaucoup de parasites dans le sang, et la deuxième chronique, qui peut se développer pendant 50 ou même 80 ans, dont seulement 30% vont présenter des formes cliniques typiques d'infection cardiaque ou digestive. Il y a donc une différence entre infection et maladie, car la plupart des personnes infectées ne sont pas malades, s'aperçoivent en bonne santé et ne savent pas qu'elles sont infectées. C'est une infection invisible que les gens se rendent compte d'être atteints quand elles ont déjà perdu un temps précieux pour recevoir un traitement à bonne heure. Car il y a 2 traitements trypanocides effectifs, malgré partiellement, dans certaines personnes. Vous connaissez les objectifs de développement soutenable de l'ONU. Les 5 premiers sont les principaux déterminants sociaux à atteindre pour l'élimination de la maladie de Chagas. Pauvreté, famine et mauvaise nourriture, accès aux soins et bien-être, éducation, inéquité de genre. Mais tous les autres sont aussi direct ou indirectement impliqués, car Chagas est une problématique complexe et de détermination sociale. On a contrôlé les principaux vecteurs domiciliés dans beaucoup de pays, y inclus le Brésil, réduisant 1000 fois la transmission, mais on a encore les conditions sociales qui peuvent déterminer la réémergence de la transmission. Les déterminants sociaux s'y retrouvent encore au Brésil et dans d'autres pays, comme on peut voir dans cette image que j'ai faite en 2016. Pour connaître la forêt, je suis venue donc faire mon postdoctorat en Europe pour commencer à lier la science de base que je faisais bien avec les applications qui pourraient attendre la société. Je suis venue dans un moment très spécial en Europe, 1989, l'année du bicentenaire de la Révolution française, de la chute du mur de Berlin, au milieu de la construction de l'Union européenne. L'euro n'était pas encore une réalité, mais cette année était décisive pour tout ce qui s'est passé après. Pour introduire la recherche internationale, nous avons commencé avec 2 questions. La première, est-ce qu'on peut prévenir ou réduire les lésions dans les tissus? Et la deuxième, qu'est-ce qui rend un hôte résistant ou susceptible à l'infection et à la maladie? J'ai reçu mon premier grant international de l'OMS qui a permis de créer notre premier laboratoire. Donc, je vous présente un peu la fibrose. Nous nous sommes concentrés sur cette fibrose qui se passe au myocarde des personnes infectées. Ils ont des altérations électriques détectées à l'électrocardiogramme, surtout au niveau du rythme cardiaque et des blocages des conductions, des altérations échocardiographie qui nous indiquent si la dysfonction est légère, modérée ou sévère, et d'autres altérations que je n'ai pas le temps de vous parler. Pendant mon postdoctorat en Belgique, j'ai eu de la chance de trouver des labos extrêmement actifs sur 2 systèmes qui m'intéressaient beaucoup. Celui de Fred van Leuven à l'Université catholique de Leuven et celui de Marc Dairon à l'Institut Curie et après à l'Institut Pasteur. Cette diapo montre une séquence de papiers que nous avons publié où la parasitologie et l'immunologie se fusionnent. Tout cela avec ma collègue Maria Teresa Rivera, qui est ici, je la remercie, qui m'a tout appris sur des souris au cours d'une infection aiguë et chronique. Des autres personnes sont importantes dans ce parcours. Jean van der Paas, qui m'a introduit sur le rôle du sélénium dans la physiopathologie cardiaque, et Zrini Kaveri, qui travaille avec l'immunomodulation thérapeutique à Paris. Je continue à parler des gens. Je détache le travail sur l'alpha-2-hémoglobine, qui est une molécule régulatrice du TGF-bêta, le sujet qui m'a conduit finalement à Grenoble, comme Jean-Jacques l'a dit, pour travailler avec lui, Sabine et Michel Karamidas.
Cette ligne a engagé deux générations de jeunes docteurs, mes élèves Mariana Vagabi et Roberto Ferreira. Quelle chance de trouver ces personnes incroyables dans mon parcours. Nous avons trois révisions qui résument ce que nous avons étudié. D'abord, le TGF-bêta joue un rôle central dans les processus d'infection et aussi dans la cardiopathie, et il peut être une cible thérapeutique, aussi que le sélénium. Ils peuvent passer de la paillasse aux applications dans la maladie de Chagas, donc en recherche internationale. Nos images d'immunopathologie ont trouvé la couverture du numéro de la revue Infection and Immunity et nous avons publié l'article. Ces conseils ont été démontrés avec des souris knock-out générées par le groupe belge de Feld van Leeuwen qui ont été envoyées au labo de Paul Aminoprio à l'Institut Pasteur de Paris pour l'étude de l'immunité au cours de l'infection aiguë. Trois de mes étudiants, Claudia Coutinho, Nazaré Soeiro et Bianco Olivieri, ont fait des travaux à Leuven et à Paris. Et nous avons collaboré avec deux groupes de cardiologues qui nous ont fourni des échantillons de patients de la maladie de Chagas sur des biopsies de patients de la pathologiste Maria de Lourdes Iguchi à São Paulo. Nous avons vu que la voie de TGF-bêta était beaucoup plus activée, comme vous pouvez voir par ces taches, noires, qui les biopsies des personnes avec insuffisance cardiaque, causées ou pas par la maladie de Chagas. Les patients aussi avaient des niveaux plus hauts de TGF-bêta quand ils étaient aux étages plus graves de la cardiopathie. Nous avons montré avec le cardiologue Roberto Saraiva que l'idée de biomarqueur gagnait plus de force car les patients avec plus de 30 nanogrammes par ml de TGF-bêta, 14 ans avant, et ils ont après survécu moins que ceux qui avaient moins de TGF-bêta. L'autre système que nous avons commencé à étudier avec le groupe belge de Jean van der Pas et Maria Teresa Rivera se cible sur l'hypothèse de sélénium comme agent cardioprotecteur. Avec deux groupes de cliniciens et cardiologues de Rio et Belo Horizonte, dont je dois citer Alejandro Haslocker et Emmanuel Otavio Rocha, ces données ont été reproduites dans les souris et nous avons prouvé que le traitement expérimental avec sélénium empêchait le développement de la myocardiopathie structurelle en réduisant l'inflammation et aussi électriquement récupérant les battements cardiaques. Ces données, aussi que les données sur la littérature relative à des pathologies cardiaques non infectives, nous ont poussé à planifier et réaliser un essai clinique avec sélénium, le seul au monde aujourd'hui avec des patients qui vivent avec la cardiopathie chagasique. Nous avons obtenu des données qui nous encouragent à avancer dans un deuxième essai clinique. Ces données sont, la première, le sélénium est sûr pour les patients de Chagas et n'affecte pas la parasitémie. Deuxième, comparant les groupes de patients traités pendant un an avec du sélénium avec ceux traités avec du placebo, le traitement a bénéficié significativement le sous-groupe de patients qui étaient dans un stade plus avancé dans la maladie, avec une fraction d'éjection ventriculaire au-dessus de 45%, au moins l'année du traitement. Quelques-uns ont amélioré la force de contraction, comme l'indiquent ces lignes noires plus grosses que vous voyez dans ces images. Mais comme dans l'ensemble, cet effet n'était pas significatif, et il y a de fortes différences individuelles, ce qui nous conduit à des études de polymorphisme génétique dans des principaux sélénoprotéines impliquées dans la physiopathologie cardiaque et l'immunité. Nous travaillons encore sur l'hypothèse que le traitement des malades avec sélénium peut apporter un effet positif, au moins dans une partie des patients. Donc, comme je vous parle de patients, j'introduis la troisième partie de mon speech avec les gens, les soins et l'éducation. Cette image montre trois dessins d'enfants boliviens dans une zone endémique. Ils trouvent des insectes vecteurs dans leur maison, dans leur jardin, ils le ramènent à l'école dans des bouteilles. Vivre dans une zone endémique, c'est d'abord connaître les risques et comprendre ce que c'est l'infection et la maladie. Éducation. C'est une des figures qu'on a publiées en 2008, après 10 ans de travail en Bolivie avec Nora Medrano et mon collègue Rodrigo Correa Oliveira, en étudiant plus de 2000 enfants à trois sites différents. Et l'éducation, on a aussi commencé à travailler avec les patients chroniques. Pour conduire notre essai clinique en sélénium, nous avons donc préparé des informatives et des rencontres au 14 avril 2015 comme partie du mouvement pour une journée internationale pour la visibilité de la maladie de Chagas. Après nous avoir fait un cours
Après que nous avons fait un cours pour les patients, pour qu'ils puissent se rencontrer une fois par mois, se connaître et organiser leur association, on voit le collectif Rio Chagas en 2015 et l'association Rio Chagas sont les premiers résultats sociaux de cet été clinique. C'est la recherche transnationnelle conduisant à la promotion de la santé. Je vous présente en vidéo que les patients de Rio de Janeiro, de Rio Chagas, ont fait avec l'organisation Médecins Sans Frontières pour aider à la campagne mondiale de l'OMS à déclarer le 14 avril Journée mondiale de personnes touchées par la maladie de Chagas. Le film parle mieux que moi. C'est la recherche translationnelle qui engage la mobilisation sociale. La pétition en ligne, lancée par Findi Chagas, la Fédération internationale des associations de personnes affectées par la maladie de Chagas, a été remise lors de la 72e Assemblée mondiale de la santé le 24 mai 2019. Et la Journée mondiale de Chagas a été créée. Vous pouvez augmenter un tout petit peu. De l'association dès ce moment, dès ce temps. Já ouvi falar. Tem um coração crescido. Os órgãos crescidos. Eu acredito que não deve passar nada. Tem que atrapalhar. Com certeza. Você agrava mesmo que precisa, até transplante. E eu tenho um coração grande. É diferente quando um científico fala e quando as pessoas afetadas falam. É tellement diferente. E, bom. Je vous montre donc la conséquence de ça. La plupart de ces patients sont des femmes et elles nous ont demandé de développer un système semblable pour offrir ces possibilités à leurs familles dans des zones endémiques de son origine. C'est comme ça que nous avons conçu les 30 Chagas, un train imaginaire qui amène information, éducation et diagnostic aux villes en zone endémique. Il mobilise la communauté des professionnels de la santé et des dirigeants communautaires à parler sur la problématique du Chagas rapidement, car c'est urgent, le besoin des gens en soins pour leur santé. Il présente des défis de la problématique au siècle 21. Le train est réalisé dans une école, une université, un gymnase public, un musée des sciences. Il y a une station d'entrée et 6 wagons thématiques qui commencent par l'organisation des personnes affectées au wagon 1, passe par le laboratoire, les diagnostics, l'innovation et découverte au wagon 2, passe par la joie de la découverte des déterminants sociaux et biologiques au wagon 3, par les apprentissages en santé unique, One Health, en liant la santé humaine, des animaux, de l'environnement et des maisons, la surveillance et les risques au wagon 4, et le bien-être pour conduire la vie avec joie au wagon 5, et pour parler et s'engager au wagon 6. L'OMS et l'Organisation panaméricaine de la santé propose un mouvement d'élimination de la maladie de Chagas comme problème de santé publique jusqu'à 2030. Les 30 Chagas aident à ce but et d'autres sujets peuvent aussi être ajoutés selon la santé de la communauté. Les patients, les personnes affectées, amis, familles, professionnels de santé,
n'ont pas seulement provoqué que cette technologie sociale soit conçue, mais ils ont aussi travaillé, ils travaillent aussi dans les expéditions de l'Espresso. Trois patients sont co-auteurs de cet article en 2021 au journal Plus Neglected Tropical Disease, et nous avons validé cette technologie d'art science. C'est la science transnationnelle devenant science citoyenne participative. Comme technologie sociale, le 30 Chagas, on a déjà organisé dans quatre régions du Brésil, le Sud-Est, le Centre-Ouest, l'Amazonie et le Nord-Est, adoptant comme fond les différents biomes environnementaux de ces régions. Bon, ce travail nous a aidé à synthétiser l'approche art-science pour la promotion de la santé dans ce livre publié en 2021 par Springer, organisé par Hope Courbin de l'Université de Washington et d'autres collègues. Nous avons adapté la proposition de Todd Siller, qui travaille sur l'innovation basée sur les arts. Elle commence avec l'acte d'imaginer, suit par l'acte de faire des connexions d'idées et de données, suit par les découvertes et les inventions qui sont donc appliquées et donnent origine à des innovations. Nous retravaillons aussi les 13 catégories promoteurs de la pensée créative qui ont été proposées par Robert Ruth Bernstein. Observer, enregistrer, imaginer, abstraire, reconnaître des motifs, organiser des motifs, faire des analogies, penser avec le corps, avoir empathie, penser dimensionnellement, modeler, jouer, transformer et synthétiser. Et si on travaille en recherche transnationnelle, en éducation, en sciences et en santé, quand un problème se présente, on est prêt à contribuer. La pandémie de COVID-19 nous a mis à l'épreuve. Je vous signale ici trois points. Première, la désastreuse politique de l'ancien gouvernement amenée au Brésil pendant la pandémie. Le pays qui a 2,7% de la population mondiale a eu 13% des morts mondiales. 4 de 5 morts pourraient être évitées si les avis de la science étaient suivis. Pour faire face à la campagne anti-vaccine, les scientifiques et les artistes se sont engagés dans la défense de la vaccination. Aussi, on a beaucoup travaillé pour aider les écoles à planifier un retour sûr après le lockdown. Pour résumer, excusez-moi que j'ai oublié de traduire cette diapo, si nous prenons l'échelle de la recherche transnationnelle qui part de l'idée et arrive à la société avec des produits et des processus, on voit les quatre étapes centrales, la conception, le prototypage, la validation et la production. Dans ce parcours, les quatre technologies dont je vous ai raconté ont atteint des différents niveaux. Le TGF-bêta comme biomarqueur atteint déjà le niveau de translation 5, les bloqueurs de TGF-bêta sont au niveau 4, le sélénium comme traitement a atteint le niveau 7 et les 30 Chagas a atteint le niveau 8. Tout ce travail dépend maintenant de l'engagement des bureaux d'innovation. Je vais presque finir, mais il faut vous parler qu'on ne peut rien faire ça sans la dimension politique et le pouvoir de réseau. Donc, je ne pourrais pas vous raconter cela sans cet apprentissage. Ici, on voit, en participant du conseil délibératif de la Fiocruz pendant le mandat de quatre différents présidents, Paulo Bus, Paulo Gadelha, Nisia Lima et Mário Moreira, à qui je rends aussi mon hommage, j'ai eu de la chance de penser aux grands problèmes. Dans cette photo de 2006, on a le président de la République, Lula, et ses ministres de la Santé et Sciences et Technologies. Cette ambiance nous pousse et nous défie comme scientifiques et comme responsables de la science. Comme nous a appris Carlos Chagas Filho, si l'on fait de la recherche, on peut enseigner et former d'autres chercheurs. Les 5 ans que j'ai passés au conseil scientifique du ministère de l'Éducation, la CAPES, l'agence qui organise et évalue tous les cours de post-graduation au Brésil, ont été essentiels pour mon image mentale du Brésil, de la science qu'on fait. Les années suivantes, 2016 à 2022, ont montré un très fort retour à l'arrière pour la science au Brésil. Une politique de démontage du système de science et technologie et aussi du système de salut public a été mise en route. La prison illégale du président Lula s'inscrit dans cette période et pendant les 580 jours de sa prison, j'ai fini toutes mes conférences et classes avec cette diapo de dénonce. Aujourd'hui, on est en train d'unifier et de réunir le pays dans une ambiance de tension continue avec la division du pays et je ne peux pas m'exprimer sans toucher à ces moments-là. Donc, presque pour finir, il me faut dire qu'il y a 30 associations de personnes affectées
réunis dans la Fédération internationale des associations de Chagas. La présidente, Elvira, la Mexique, a été invitée à parler au meeting de l'Organisation panaméricaine de la santé cette année à Medellín pour organiser le guide vers l'élimination comme problème de santé publique jusqu'à 2030. Et la campagne mondiale de fin de Chagas annoncée quand Amelia Bispo de l'Association des personnes affectées à Bahia a présenté tous dans le moment de la présentation de la nouvelle politique pour le complexe industriel de la santé au Brésil, avec le président de la République, le vice-président, le ministre de la Santé et d'autres personnalités. Chagas est dans l'agenda politique au Brésil, au moins maintenant, une énorme conquête collective. Si vous vous souvenez de ma diapo des objectifs de développement soutenable, je vous rappelle le numéro 17, des partenariats pour les objectifs. C'est stratégique, construire ces réseaux et les soutenir pour les renforcer synergiquement. Les leçons acquises, je vous lis briefement. Les gens doivent être au centre de l'attention, notamment dans le cadre de la recherche clinique. Et ils doivent participer autant que possible au processus, depuis la conception jusqu'à l'intégration de la technologie dans les systèmes de santé. Pour être pertinente, la recherche avec des modèles expérimentaux doit d'abord poser des questions liées à la santé humaine pour générer des études de validation des principes. La recherche transnationnelle doit être entièrement conçue de la phase préclinique à la phase clinique. Et rappelez-vous des conseils de Leonardo da Vinci pour un esprit complet, étudier l'art de la science, étudier la science de l'art, apprenez à voir. Sachez que tout est connecté à tout, coopération est essentielle. En minute finale, pour mes remerciements très importants. D'abord, à tous les patients de Rio Chagas et à tous les militants de Fin de Chagas. Je fais une citation spéciale à cette femme, Cleonice Braga, présente. Elle était au mouvement dès le début et elle est morte le mois passé. Elle est décédée le mois passé de Chagas. Merci à tous mes collègues de la Fiocruz, à mon labo, à Rio et dans d'autres endroits comme Goiás, en zone endémique, et à tous les dirigeants de la Fiocruz, dans la personne de son actuel président Mario Moreira, à tous les dirigeants de la santé publique au Brésil, au nom de ces femmes du groupe technique de Chagas au ministère, et à tous mes collègues de la direction de l'Institut Oswaldo Cruz, qui dans cette photo sont mélangés avec nos collègues qui organisent la coopération internationale, dans ce cas avec l'Espagne. Merci à ma famille, mes enfants, leurs pères, à mon père et ma tante qui sont venus ici à cette cérémonie malgré leur âge, à mes petits-enfants, ma source de joie, et à mon copain qui est aussi venu. Ce titre, je l'ai dédié à ma mère, la première femme de la famille qui s'est formée médecin, qui a ouvert le chemin pour les deux autres générations, moi et ma fille Julia, ici dans cette photo, dans la conclusion de son cours. Je vous parle de chemin et de parcours, mais le poète espagnol Antonio Machado en parle mieux. Le chemin, il n'existe pas. On fait le chemin quand on se met en chemin. Aujourd'hui, c'est le jour des enfants au Brésil. Ce serait bien qu'on laisse sur un chemin, on le laisse sur un chemin de paix et pas de guerre, tous les enfants du monde. Merci beaucoup de votre attention. Mes excuses si j'ai dépassé un peu mon temps. Thank you very much, Professor De Araújo Jorge. Je voulais le répéter une deuxième fois pour être sûre de bien le prononcer. Araújo Jorge et ses sponsors. Et je vous propose désormais un intermède musical de 5-10 minutes par donc, l'Orchestre des Campus de Grenoble. Merci à eux. Thank you.
Merci infiniment pour cette belle pause musicale. Donc, on en aura une autre tout à l'heure. I'd like to invite to the stage now Professor Wen Chongchen and his sponsor, Redouane Borsali. OK, mesdames et messieurs, monsieur le président, cher Yassine, chers confrères, chers collègues, chers étudiants. I'm going to switch immediately in English because my colleague and friend Wen Chang does not understand French. So I really, it's very hard for me to summarize his career in 5 minutes, but I'm going to try to do that. And because Wen Chang is so speedy that I cannot follow his work and his career. So I'm trying to summarize what he did. So it's a great honor and pleasure to introduce him. He's a very well-known and very established scientist in material and biomaterial, and this is everything where he applied this his expertise to make devices on bioelectronic devices or optoelectronic devices, and that have many applications and promising application. And he's really very, very famous in this work of biomaterial and nanoelectronics. Let me say a little bit before talking about his scientific achievement. Wen Chang was born in Taichung, in Taiwan, and obtained his graduate degree in chemical engineering from NTU. Remember NTU, I will come back to NTU word later. And his PhD in chemical engineering in the University of Rochester in the US. So today, Professor Wen Chang is simply the president of the National Taiwan University. He was elected this year, and he is actually also a professor of chemical engineering. He is the author or co-author or maybe a few hundred papers, probably 400 or 500 papers. He has made more than 60 patents. And his scientific achievement and scientific, I would say, excellence is reflected of among the many prizes he got along these last couple of years. And I would like just to list a few. He is the NTU chair professor, which is a very important position given by the president of Taiwan. He is also the national chair professor. He is an academician of the Asia-Pacific Academic of Materials. He got an international award of the Japanese Polymer Science Society. He is also an outstanding research award from the Ministry of Science and Technology. And he is a fellow of the Royal Society of Chemistry, UK. This is only a recent award he got. So now, before he became president of the university, of Taiwan, Professor Chan was president of the ASEAN Polymer Federation. He was also president of the Taipei Polymer Society. He was also the coordinator of the polymer program at the National Science Council of Taiwan. Now, this honoris causa, of course, is given to scientists who have contributed a lot to the university and specifically to our university, Grenoble-Alpes University. I'm going to summarize what he has done with our university. I think all have, the story has started 10 years ago when we met in Japan. You know, we did not meet in France, not in Taiwan, but in Japan. We were both invited to international conference on the material, functional material, and we immediately said there was a complementarity of what Professor Wen Chang was doing and of what my group was doing. So we really worked a lot and he worked a lot. He was at the initiative of many, many projects and in terms of Ministry of Science, the INR International, there was also a lot of project, MOST also that contributed. So he has been working a lot of, for more than 10 years, strong collaboration with UGA, and also was sending a lot of students to our university and was really trying to help them. And this made him
made a lot of activity in his research. And finally, he is Otulis also another important award. He was the winner to the prestigious France-Taiwan Grand Prize, scientific prize, that was delivered by the Academy of Science in Paris and the Ministry of Science and Technology. So, and to just finish his contribution to our university, Professor Chan has set up a new laboratory at NTU, which is an international laboratory on green material science that is strongly connected to the UGA, to the CNRS, and to Polymath, Carnot Institute. So we are working very hard to make this project going on, and we are trying to really to help the people, double degree, PhD, master students, and he is really active on that. So finally, I don't want to speak a lot, I would like just to say to Wen Chang, President Chang, I'm sorry, that I am very pleased and honored to have you here at our university, not only as the NTU president or as the honoris causa, but also as a good friend. I would say an excellent friend that is contributing a lot between both universities, and I think all the NTU students or professors are very proud, or they should be very proud of having Professor Chan as a president, because he's doing his best to make his university among the best universities in the world. Okay, thank you. Mr. President. So, conformément à la délibération du Conseil d'administration de l'Université Grenoble-Alpes et au vu de l'avis favorable du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, j'ai l'honneur, au nom de notre communauté universitaire, de vous conférer le titre de docteur honoris causa de l'Université Grenoble-Alpes et de vous en remettre les insignes. Merci. I'm sorry, I cannot find my slide. Anyone can help me? I'm trying to find my slide. Oh, it's here. Is that right? Okay. That's it. Okay. Then which one? This one? Yes. Oh. Oh, okay. I'm sorry. Yeah. President Yasin Lengna, and also my nominee, Professor Rayran Bosali, and Honoris Causa Award winner, and Ambassador Wu from Taipei, and my NGU colleague, and my friends from Taiwan, and also the faculty and the students in Grenoble. Good afternoon. It's my great honor to speak here to receive the award, which recognizes my scientific achievement, as well as my international collaboration with this university. Today, I'm going to talk about
carbohydrate materials-based electronics toward a substantial future. This slide shows two things. One is that, we have waste a lot of food during our daily life. We eat it, and however, after we eat it, we always just dispose of it and burn it, okay? And the other thing is that we make many products from the non-material manufacturing and products end of life. And after that, we dispose it. And what we need is we need to do the correction and also recovery, reuse, and reapplication. Why do you need to do that? Because that if we don't do that, we will produce a lot of carbon dioxide that could lead to global warming. Therefore, we have to do something. One is that we use the natural material and we recycle it and reuse it. The other one is that we need to recycle and reuse the application of, well, the products from the industry. That's what we need. So today what I'm going to talk about is that how my laboratory to recycle and reuse or degradation of the materials for an electronic device. And what I'm going to talk about is most of them is my collaboration with UGA, in particular with Raywan. Okay, my original expertise actually is not in the area of renewable materials. Since I was a student, a PhD course student in University of Rochester, my area is organic semiconductors. And basically what I'm doing is that I design the polymers and I use different kind of electron donor and acceptor strengths to control the band gap semiconductor. And I also use different polymer architecture combined with simulation and making different kind of device. And after several years, I started to think about I needed to use the morphology to control the property and the device applications. Therefore, I started to work on the block polymers because they can control the different kind of morphology through the composition or solvent or others. Therefore, I'm working on either the different kind of shape, fiber, brush, and others. And after you control the morphology precisely, you can control the device application. And a few years later, I used different kind of approach to do that. What I'm doing is that I get more interested in using the interfacial design, such as nanowires and single fiber, nanofiber, and also use either architecture conjugation lens from the molecular size, donor acceptor strengths, to use them for a electrical memory or photo memory device. However, as Raywan just said, I met with him in the year of 2011 in the conference in Sapporo. That's in the case of the France-Japan conference on functional material. I was invited by Japanese side. Actually, I don't know this guy, okay? And after that, he asked me, jumped to me, well, your stuff is very interesting in electronic device, and I'm working on the sugar-based, oligosaccharide-based material. Can you do something on that? And after that, we applied for a project for the CNIs, and we start our collaboration since 2011. Okay, so what he wants is that, can we use the sugar or biomass or cellulose to make the electronic device? Because basically what we use is that we produce the polymer as a substrate from the petroleum basis. However, as I say, they could cause some kind of, the carbon dioxide emission, and after that, it could lead, that global warming. So therefore, I start to do the literature survey. And I found out, not only him, before that, starting from the year of 2007, actually there are already several different kind of electronic device. They made from the
nature material basis. As you can see from here, this is they use the organic saccharide for an OLED device, and also they use that to control the morphology or the transistor device. And what I use, we use that for the electrical memory device, either the transistor type or resistor type. So there are already several different kind of approach to do that. So what I'm going to do is that I start to think about, can I replace all kind of inorganic base, substrate, passive layer, and active layer, my nature-based material. That's what I'm working. So I want to show you my first example starting from the substrate. So as you can see from here, what I do is that I get the diamine from the natural resources, okay? And after that, I also get the dianhydride from natural resources, and we make the high temperature polyimide. Polyimide is always used in as a substrate in your mobile phone, but all of them are from the petroleum base. So what I'm doing is that I use the no materials from natural sources. We make a very nice films as a substrate, and we can make the transistor device and also printed circuit board substrates. As you can see from that, they can sustain at least until 160 degrees C for a long time. So therefore, it tells you it's possible to use the nature-based material as a substrate for a printed circuit board or other kind of electron device. Then after that, I start to think about, can we replace the conducting layer by the nature-based material? It's possible too. As you can see from here, use the nature-based poly called PEF. They can replace the PET we use for the for a lot of electron device. But what we do is that if we use this as substrate combined with the silver nanowires, as you can see from here, we make very flexible conducting layer, and they are very stable with many bending cycle, even to 500 or more. And they are difficult to peering away. And we use that for the transistor or solar cell. Their property and device characteristic is as good as you can see that those kind of ITO device. And after that, I'm also think about, can we do that for other kind of nature-based material after it's active there? It's possible too. As you can see from slide, what I'm doing is that I use PEF, okay, as a substrate, and after that, I use the DNA as the layer for the electron memory. And as you can see from the slide here, they can show a nice electron memory current voltage characteristics, and even under the bending radius of 5 millimeters, they are quite stable if you're bending that. So that means it's possible to use this kind of nature-based material even for the active layer. Okay, so after that, I'm thinking about can we extensively use the nature-based material such as oligosaccharide to do a more precisely on the electrical memory or photo memory device. Okay, so as you can see from here, this work is by the Raywan Bosari. What he did before is that he collaborated with, Wilson, okay, from UT Texas Austin, I think. They make very nice block of polymer from the oligosaccharide, and they can control the morphology, either by sphere, cylinder, lamina, and others. And what the interesting thing is that they can control the periodic length very precisely, 5 nanometer interlayer, okay? We are talking about the TSMC technology, 2 nanometer or something. At that time, in 2012, he already achieved the case of the 5 nanometer interlayer distance, and they can control the morphologies. So what I found out is, well, this kind of material is very interesting, and I should take advantage on that. So I use his material, he sent that material and sent to me. And after that, I started working on that, and you can see from here, we use that to make the transistor memory device
and published in the many different kind of journals. This is, I think that the fresh memory, warm memory, and also we use the polyisoprene. It's something like a rubber, therefore you can stretch it, and also that you can use the morphology. It's a different kind of morphology to control the electrical memory device, either in the case of the those kind of DRAM, worm, or others. That's an interesting thing we want to explore. So my first paper with Ray Wan is this one. As you can see from here, this is very simple, okay? If you make an electrical memory device, this is the pentasin and the semiconductor layer, and you use the his block polymer as electrical, or we call it the charge trapping layers. And when you apply the voltage, positive voltage, they will induce the negative charge, and they can trap by the hydroxy group of the oligosaccharide, okay? And if you want to release it, you just apply the negative voltage, and then you have hole to neutralize it. So it's very simple, okay? And after that, we think about can we also trapping the hole? So what we did is very simple. We just hydrogen bonding with a small portion of the amino purine, and we can do that. Let me show you the interesting things. These are the polymer he made, and as you can see from here, using different kind of solvent annealing, water and the TH, okay? And by annealing a few hours, okay, it's case, you can get a sphere, 8 hours, get a vertical cylinder, 12 hours, became the horizontal cylinders. And if you apply as an electrical layer, you can find out this is the initial, okay? The writing, okay, and then erasing. And they create the voltage difference. We call it the memory windows. And this is about 16.8 volt. And if you have vertical cylinders, similar, but if you have horizontal cylinders, it's become larger because it enhanced the electron trapping. And after that, if you have the amino purine, you find out that they can either trapping the electron and trapping the, you know, the hole. So it became a very large memory window. You can reverse that, and it's very stable. And also, their on-off ratio is very large. Usually, if you want to for the application, the on-off ratio at least 10 with older 6 is necessary. And why is that? I think that, let me explain why the vertical cylinder, horizontal cylinder, what's the difference between that? It is because the contact, you know, that areas. If you have the vertical, when you contact with the semiconductor layer, the area contact area is not enough compared with the horizontal cylinder. That's why the horizontal cylinder, they have a large memory window because they can trap in more charge, okay? So therefore, through this kind of a technology, if you control the morphology, you can control the trapping trapping electron or hole. Then you control the memory window. I think that's the interesting things. And after that, I talk with Professor Bosari. I say, well, why do we need to make a block of polymer? Can we just buy the sugar from the commercial sources and we make it as a device? Is that possible to do that or not? Well, it's possible. So I just purchase the image, we call it a metal heptans. And after that, you find out this is the initial, and then you write it, and you cannot erase it because all the charge has been trapping and difficult to come back. The reason is because you have a ring structure and you're trapping the charge inside through the hydrogen bonding. Therefore, you can see from that, the on-off ratio is very large and stable for many, many days, okay? And if you check with the Kevin probe microscope, you can find out this is the initial, and after that, you can writing and erasing. You trap most of the current here, okay? And let me show you why. This is the sugar, okay? As you can see from here, this is the sugar. And the hydroxy group, actually, they have hydrogen bonding, okay? So when you apply the voltage,
Okay? So you trap the charge under the, you know, the hydrogen network. Therefore, the charge, the electron, is difficult to escape from the hydrogen bonding network. That's why they can retain the charge even if you try to release it. You cannot do that. And it became the wall. Okay? And if you ask me, can I prove that by others? Yes, I do. I use, it's not a ring structure with the hydroxyl group. For example, PVOH, polyvinyl hydroxy. Okay? And if you, that case, is there is no ring structure. And therefore, it's difficult to trap in the charge. And so there are two reasons. One is the ring structure. The other one is because of hydroxyl group. Okay. So after that, we think about we may need to do something interesting. So therefore, when you think about organic electronica, flexibility and stretchability are very important. So therefore, you made a very interesting polymer. This is an oligosaccharide with a rubber. We call it a polyisoprene. And therefore, it became very stretchable. And similar to before, you can trap in the charge under the hydrogen bonded network. However, I think this is more interesting. These polymer, they depends on the ratio. They can form a vertical cylinder, horizontal cylinder, and a sphere. And because if you form a vertical cylinder, you trap in the charge more deeply. They cannot escape away even if you apply the different direction of voltage. And if it is a horizontal cylinder, they can escape if you apply the voltage. But if for the case of sphere, they just cannot keep the charge. Therefore, it became the warm, fresh, and direct, okay? Just by control the morphology. So after that, we make a device. And you can find out that even if you under different kind of bending or strain, from 0 to 100%, all the current and the voltage, okay, their shape quite similar. The only difference is here is because of synchronous, okay? However, all kind of morphology and other are similar. That means this material is very stable and it's possible for the commercial applications. Okay, so in summarize, for my electrical memory device, I did use Professor Bosari's his polymer to make many things. And what I'm interested in is not only the block of polymer and also the different kind of architecture, cosine nanoparticle and others, and I don't have time to talk about that. So after that, I shift to the other kind of application, because one particular application for the memory is that you try to make the artificial retina to help that people they have disabled to see the world. Therefore, we think about if we can shine different kind of wavelengths of light, red, green, blue, or near infrared, and you shine the light and you create different kind of color label, and then you recognize the color, then probably you can make artificial retina or synapse. That's what we think. So we also, we use the polymer perovskite and use Professor Bosari, his block of polymer, to traping the perovskite and others. And I'm going to talk about some example. For example, what we did here is that I use his block of polymer, and we can control the size of perovskite. And after that, a precise control their photo memory characteristic. And they are very stable. Even in the water, people always criticize that, well, perovskite is not stable, something that those kind of characteristics. However, if you encapsulate by a block of polymer and outside corona, if it is the hydrophobic the segment, it's possible to control that. So we make that, and we find out that, well, actually, it's quite stretchable and very stable. And if you shine the light 450 nanometer, you get the current and you can make a photo memory device. And also, we use that with the conjugated polymer and the bacteria. We find out we can also extend to near infrared band, and its energy is smaller, it won't harm your, the human beings. Therefore, you can find out we did make this kind of photo memory
and they can, practice for many cycles and recording different kind of wavelengths from the visible to near infrared. So I'm very excited on that. So after that, I think about, well, no matter what you are doing, what I'm mentioned is the substrate is silicon base, right? And what I tried to emphasize before is that I try to make the device all my organic polymer base and also from natural polymer bases. Is that possible? Well, that's possible. If you see that, I use the nature-based monomer to make the polymer, and after that, I have two polyimides from nature-based sources, and I use the polyazomethane and the electron trapping layer. The only thing is that using the gold here. However, if you make a device, you find out they are pretty stable, okay? And one more thing is that they are degradable. What we hate is that if you use or electron device, there are a lot of ways that you need to recycle, spend a lot of energy. And the interesting thing for this material is that they have azomethane linkage. If you just use a natural acid, you can degrade that. And the material can be disappear for some days. So therefore, what I'm trying to do is I try to construct a system from the substrate, conducting layer and active layer, okay? All by the nature-based materials. And after that, we can recycle it, reuse it, and reapplication. And I think that this is substantial material, you know, also the goal of UGA. And I am very happy to collaborate with them. Okay, so I acknowledge to thanks my student and also my collaborator, in particular for Ryan Posali. From here, we have more than 10 years of collaboration and friendship, and these are my students and also my collaborators. Next, I would like to, I enjoy my collaboration with the UGA, and also I enjoy my research. And in the year of, 2018, we did get the France Taiwan Scientific Award and Ambassador Wu, he also, I think that witnessed that. But we did have a lot of collaboration since 2012. First from CNIs, then is ANR project, and after that is EDEX project. And also we get the international research partnership. And more recently, I just received the news 2 days ago. We succeeded joint laboratory between NTU and UGA, or those CNIs, and they are already approved by Taiwan side and also by CNI's side. So therefore, we are working hard on that, and we did produce several papers in the prestigious journals, and we are keep going working on. And these are the supporters from the French, the French side, and also from the NTU side. Okay, these are the what we talk about. From Grenoble to Taipei, we did have several things together, and now we have the joint laboratory. And in the future, I hope it can extend to the joint center, research center. Okay, that's what I hope. Finally, I enjoy very much on my collaboration with UGA, and very happy to join the family. Also, as a family member, I will try my best. The future growth of UGA, and also build the near connection with NTU, as well as other prestigious universities in the world. This is what I hope in the future. Thank you very much. Thank you very much, Professor and President Chen. I'd now like to invite to the stage Professor Reinhard Genzel and his sponsor, Jean-Baptiste Le Bouquin.
Thank you. So I would like to thank the students who are here today, because you are the reason for this event, and you are the reason for this university to exist, and you are the reason why we embark into fundamental research, so that your generation can build on our work to reach a deeper understanding of the universe and of our place into it. So as an intermediate researcher generation, I would like to thank Dr. Reinhard Genzel for his contribution to this big adventure. So there was a time where the vast portion of our galaxy, the Milky Way, were dark, hidden by dust, and even the little glimpse of light that reached us were fuzzy and out of focus and lacking details. And I think, Reinhard, the generation even before you understood that at the center of the Milky Way there was something very special lurking, something exceptionally massive. And I guess it picked up your curiosity, and so you endorsed this challenge to uncover it. And it will become the challenge of a life and of a team, of course. And in some way, it will also become a race between US and Europe. And I should say, I think you like this idea of a race. You understood that it will require entirely new infrastructures. And so you work so that European countries will work together into what will become our JWL observatories, the Very Large Telescope in Chile, and the NOEMA IRAM Plateau de Bure interferometer here in the Alps. And it's no surprise that you are the author of Blue Books in the 80s. So I was barely born in the 80s, but we are still building on this vision that was written 35 years ago. It is very impressive. But you also understood that it will require entirely new technologies to go through the dust and to recover sharpness. So you supported and promoted cutting-edge technologies in infrared astronomy. And here, on this topic, there are many ties with the University of Grenoble, with the institutes here in the campus, IRAM, IPAG, and also with the companies and the industries in the Grenoble ecosystem for adaptive optics, infrared detectors, integrated technologies. So all the instruments that came out from this collaboration over decades, they have been extremely successful, and they have get you closer to the goal one step after the other. And then the time came to grab the biggest fruits. So after decades of hard work, you and we eventually uncover the motion of stars and material around the galactic center, and we prove there was a supermassive black hole there. And for this, you have been awarded the Nobel Prize of Physics in 2020, together with Andrea Ghez and Roger Penrose. And for this, Reinhard, I would like to thank you, not only for the achievements, but for the inspiration, mostly, the inspiration it gives to us. So, human relationships are not always simple, and we do not always agree. Nevertheless, today, I would like to recognize the exceptional scientific vision you provided to astronomy, and I would like to recognize the example of scientific endurance, which is necessary to transform the vision into actual discoveries. So the next generations, they will surely do things differently than we do, because it is their right and somewhat their duties. But I think they can learn from you, that they should think for the big, for the big thing. They should not fear to aim for the big questions. They should shoot for the stars. And they should remember that in this thinking, we are only limited by the law of physics. Thank you. Conformément à la délibération du conseil d'administration de l'Université Grenoble-Alpes et au vu de l'avis favorable du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, j'ai l'honneur, au titre de la communauté universitaire, de vous conférer le titre de docteur en Iscosa de l'Université Grenoble-Alpes et de vous en remettre les insignes.
Congratulations. Well, President Lagnish, colleagues, students, time is moving on, so I decided I'll skip the slides and just make a few general remarks. This is a great honor for me. It's a great honor, as you heard, for me, more than 40-year journey doing experimental astrophysics in various ways, but always with a fantastic team of people. And the collaboration between Max Planck and the University of Grenoble is an old one. Already in the 1960s, my father was a physicist. Collaboration was started here in Grenoble with the La Roche-Gerard reactor. I still remember being a 15-year-old and coming with my father to see this wonderful place. And it was clear then that we wanted in Germany and also in France to make the collaboration more intense in astronomy. And in particular, in an area of astronomy which then was not very much developed, namely millimeter astronomy. And so we started, and through negotiations, this was just before my time as director, a new institute was founded, initially only between CNRS and MPG. Later on, the Spanish IGN also joined at a smaller level. And this is IRAM, Institute for Radio Astronomy in the Millimeter Range, whose headquarters is located just a little ways from here, and is a jewel of European astronomy, of world's astronomy, because we have managed, and this is one of the examples of the work I've been so lucky to have been associated with. If you have really top people, scientists, but also engineers, and if you bring them together in a climate of commonality and good thinking, you can do a lot of things. So IRAM, initially with a single dish 30-millimeter telescope in southern Spain, and then with a small interferometer on a plateau about 100 kilometers south of here, on the Plateau de Bure, just near Gap, has managed to get into this new field of millimeter astronomy and has, within 10 years, I should say, begun to lead it. Unfortunately, we had some setbacks. We had an unfortunate accident on the Plateau de Bure where the cable car dropped down and killed in total 25 people. That was very sad. And we weren't very clear at that time whether we could continue, but we did. And it was well worth it. When ALMA, a big facility in the south, was opened, we thought about, should we stop? And we said, no, we don't. We have good people. And so we went on and built a new facility, which now has 12 telescopes on Plateau de Bure. And Carl Schuster, the director of IRAM, is here, and his team have done absolute a world-class job. And it's with these kind of technologies, like just what we heard from you, in detectors, in optomechanics, in computers, astronomy has had a golden era. Incredible. The discoveries over the last 50 years, which I've had the pleasure to see and participate in. Now, the particular area we are interested in is to use very high angular resolution to look at objects in detail. Well, how do you do this? Well, you build bigger telescopes. That's something we know since a long time. But at some point, you can't, because telescopes get too large. So the radio astronomers invented a technique called interferometry, where you basically use the
in a Snell's double slit experiment, you take two openings and then you combine the light and then let it interfere, and thereby you gain the resolution, which is then equivalent to the separation and not anymore to the size of the two telescopes. So that's what we do in Plateau de Bure, and that's what we do in Chile with the 4 8-meter telescopes of the European Southern Observatory. And it's this kind of application where not only with IROM, but also now in the optical near-infrared with IPAC here, the French-German communities have done world-class astronomy to look back in time, to look at the growth of galaxies, how they grew, when they grew, and whether black holes exist as predicted by Einstein's theory 100 years ago. Now we know they do. We do, and black hole research in many ways is now one of the most fundamental parts of Einstein's theory, because we know already that Einstein's theory must be wrong. Why must it be wrong? Because one of the predictions of Einstein's theory is that the mass of a black hole is all confined within a point of infinite density. And as physicists, we have learned in the quantum world that when you go to small scales, that's not possible. But we don't have a quantum theory of gravity yet. That is to come. The young generation here is invited. Participate in this. Go to the next step. Explore with astronomy and work together internationally to do the best science. Thank you very much. And now for the last part of our ceremony, two distinguished women. I'd like to first call to the stage Professor Mona Nemer and her sponsor, Professor Walid Rachidi. Bon, merci, Caroline. Donc, bonjour à tous. Monsieur le président de l'Université Grenoble-Alpes, cher Yassine, mesdames, messieurs les consuls, vice-consuls, mesdames, messieurs les directeurs des composantes académiques, chers étudiants, chers collègues, mesdames, messieurs. Alors aujourd'hui, je suis un peu ému parce que j'ai la lourde responsabilité effectivement d'être le parrain d'une femme de science, d'une femme qui est une grande amie de la France, qui est Mona Nemer. Donc, je suis ému et je vais essayer de vous résumer très rapidement un CV qui est très très long, avec un parcours qui est extraordinaire. Alors, je vais commencer par le début. Donc, Mona est née dans un pays au Moyen-Orient, qui est le Liban, à Beyrouth. Elle a fait les premières études au Liban et après, elle est partie aux États-Unis et revenue au Canada après faire plusieurs séjours de recherche et faire de la recherche de vraiment de très, très haut niveau. Puisque, en fait, Mona, c'est une scientifique déjà imminente et elle est la conseillère scientifique en chef du Canada. Donc, elle a une expertise, bien sûr, approfondie en chimie bio-organique, en santé. Et elle fournit, par ses expériences, une orientation précise. Ça, c'est un mot qui est très important pour la science. Pour justement le Conseil des ministres, afin d'éclairer le Premier ministre canadien, Justin Trudeau. Et donc Mona, avant d'occuper le poste de conseillère spécifique de Justin Trudeau, elle était professeure et vice-présidente recherche à l'Université d'Ottawa, et à ce jour, elle a joué vraiment un rôle clé dans l'élaboration de la stratégie de la recherche de l'université. Elle a supervisé, bien sûr, la gestion de la recherche, les infrastructures qu'on a beaucoup besoin, en fait, dans la recherche, surtout dans la recherche en santé, et le développement de partenariats et le transfert, justement, de technologies. Alors, le docteur Nemer, c'est une spécialiste mondialement connue en cardiologie, donc le cœur, c'est au cœur de ses recherches. Elle est bien sûr, c'est elle qui a fondé, elle était directrice du laboratoire de cardiologie moléculaire.
Ces recherches sont principalement concentrées sur les mécanismes de l'insuffisance cardiaque. Donc, comme vous le savez, en fait, l'insuffisance cardiaque, ça dépend des pays, mais c'est la première ou la deuxième cause de mortalité. Et donc, effectivement, en fait, les recherches de Mona se sont en fait focalisées sur cette maladie qui est dévastatrice pour notre société. Et en fait, elle s'est concentrée sur un gros problème, qui est l'insuffisance cardiaque. Donc, quand le cœur devient très grand, il n'arrive pas à pomper le sang. Et donc, ce sont des recherches très intéressantes. Elle s'est aussi intéressée à toutes les malformations cardiaques congénitales qui, quand on les découvre plus tôt, on peut mieux soigner. Et donc, en fait, le résultat, c'est plus de 200 publications qui sont spécifiques et qui sont hautement citées. Donc, en fait, elle a un indice H, je n'ose pas prononcer le chiffre, mais elle a un indice H très, très important, parce que ces publications ont fait vraiment beaucoup de découvertes et puis de mouvements dans le monde de la cardiologie. Donc, elle a joué, bien sûr, un rôle essentiel dans le développement de tests de diagnostic de l'insuffisance cardiaque, et puis la compréhension de la génétique des malformations cardiaques, spécifiquement chez les enfants. Et donc, durant ce séjour scientifique, elle a encadré plus d'une centaine d'étudiants de tous bords. Et maintenant, ces étudiants sont repartis dans le monde entier, dans le laboratoire. Ils sont des directeurs leaders dans la recherche en cardiologie, mais aussi en biologie cellulaire d'une façon plus générale. Et en plus, justement, de ces réalisations justement académiques et scientifiques, Mona, elle siège dans plusieurs conseils d'administration, et puis elle a été récompensée par conséquence par de nombreux prix. Bien sûr, je ne veux pas tous les citer. Je citerai peut-être que Mona, elle est membre de l'Ordre du Canada, elle est chevalier de l'Ordre national du Québec et de l'Ordre national de mérite. Elle est récipiendaire de la Légion d'honneur de France. Donc, c'est pour cela que j'insiste sur cette amitié avec la France. Et aussi, elle est élue dans 4 académies nationales de sciences, dont la Société royale du Canada, l'Académie américaine des arts et des sciences, l'Académie des sciences d'Argentine et l'Académie des sciences du Liban. Alors, ces contributions, effectivement, ils ont été récompensées. Et je m'arrête sur ces prix, mais aussi, Mona, ce n'est pas la première fois qu'elle va recevoir le doctorat honoris causa, puisqu'elle a déjà un doctorat de l'ENS de Lyon. Elle a aussi un doctorat honorifique de Finlande, du Liban, en reconnaissance de ses contributions exceptionnelles à la connaissance scientifique et à l'innovation. Et lui manquait justement le cœur de la France, c'est l'Université Grenoble-Alpes. Et donc maintenant, on peut ajouter une ligne sur ce CV. Et puis, au-delà de ça, donc, on insiste sur justement ce séjour scientifique très intéressant, très impressionnant. Et en fait, on a besoin effectivement des conseils éclairés. Et du coup, Mona, elle était aussi conseillère auprès du Premier ministre pour justement gérer la crise de Covid. Et on a vu, en fait, pendant la crise de Covid, qu'on avait vraiment besoin des avis des scientifiques, puisque ce sont les scientifiques qui ont résolu le problème du Covid. Donc, il fallait aussi des décisions politiques bien éclairées. Merci, Mona, aussi, pour justement tout cet éclairage scientifique qu'ils ont aussi permis de bien gérer, je trouve, la crise Covid donc au Canada. Et puis, professeur Mona, elle est aussi très intéressée par tout ce qui est déontologie en sciences. Donc, elle préside plusieurs comités d'éthique et de déontologie, parce que ça, c'est vraiment le cœur de nos recherches scientifiques. C'est vraiment la déontologie et l'équité et l'intégrité scientifique. Et puis, effectivement, par sa passion pour la recherche scientifique, son engagement en faveur de l'excellence, en matière de recherche, elle inspire des générations futures par son parcours et promeut le rôle essentiel de la science dans la résolution des défis sociétaux et la simulation de l'innovation. Alors, effectivement, Mona, c'est la deuxième fois qu'elle visite Grenoble, mais en fait, elle nous a beaucoup aidés pour renforcer les liens avec le Canada en général. Donc, on a plusieurs étudiants internes qui vont maintenant dans les hôpitaux au Canada, puisque en fait, on a les mêmes défis au Canada et en France, c'est les déserts médicaux, etc. Et on essaie ensemble de résoudre ce problème sociétal. Et donc, maintenant, effectivement, avec le professeur Sèvres, on va aller encore renforcer ces liens recherche, mais aussi pédagogique, parce que pour nos étudiants, c'est très important aussi d'apprendre comment on fait de la pédagogie de part et d'autre de l'Atlantique. Et donc, je suis vraiment très honoré. Je remercie Mona d'avoir accepté justement le doctorat honoris. Et merci beaucoup à vous tous.
délibération du conseil d'administration de l'Université Grenoble-Alpes au vu de l'avis favorable du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. J'ai l'honneur, au nom de notre communauté universitaire, de vous conférer le titre de docteur honoris causa de l'Université Grenoble-Alpes et de vous en remettre les insignes. Congratulations. Je clique dessus, mais il ne se passe pas. Ah, attendez, peut-être ici. Bon, voilà. Alors, cher Walid, merci beaucoup pour cette présentation beaucoup trop généreuse à mon égard. Monsieur le Président de l'Université de Grenoble, cher Yassine, vous me faites un grand honneur et je vous en remercie du fond du cœur. To my co-honoree, I want you to know how inspiring you are to me and I'm sure to everyone in this audience. And I want to tell you how humbled I am to be among you. Alors aujourd'hui, je vais vous parler un peu de nos travaux sur le cœur et vous avez déjà entendu que nous travaillons essentiellement pour régler, étant un grand mot, deux problèmes très importants de santé. Le premier, c'est celui de l'insuffisance cardiaque. Donc, comme vous savez, les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité dans les pays développés. Et d'habitude, c'est parce que le cœur ne fonctionne plus pour toutes sortes de raisons. Et est-ce que j'ai reculé? OK. Et la deuxième, donc juste pour dire que l'insuffisance cardiaque, c'est de fait une maladie qui a un pronostic, une espérance de vie souvent qui est moindre que plusieurs cancers. On ne le réalise pas, on l'oublie. C'est un énorme coût à la société. Le deuxième problème, c'est le problème des maladies congénitales cardiaques, c'est-à-dire des défauts à la naissance du cœur. Et il y a plusieurs raisons pour lesquelles je me suis intéressée au cœur. C'est un organe qui est fascinant. Mais pour les étudiants dans cette salle, je voudrais que vous sachiez que quand j'ai fait mon doctorat, si on m'avait dit que j'allais passer le restant de ma carrière scientifique à travailler sur le cœur, j'aurais tout simplement posé la question « Qu'est-ce que vous avez bu ou fumé récemment ?» Donc, première leçon, ne planifiez pas trop votre vie. Les maladies congénitales cardiaques représentent c'est le groupe le plus important de défauts à la naissance. Ça représente 35% des maladies congénitales, donc des maladies qu'on a à la naissance. Et c'est un facteur de risque important pour avoir des complications cardiovasculaires précoces chez des jeunes adultes. Puis on a souvent entendu parler, par exemple, d'athlètes professionnels qui collapsent d'un coup sur le champ. Et souvent, la cause, c'est une malformation congénitale cardiaque. Donc, on estime qu'il y a à peu près 2 à 4% de la population qui vit avec une malformation congénitale cardiaque. Alors, pourquoi est-ce que le cœur, finalement, est un organe si fragile? Eh bien, la raison, c'est que, à l'encontre d'autres organes, les cellules cardiaques ne se régénèrent pas. Et donc, après la naissance, on a un nombre fixe de cellules qui doit finalement nous durer toute notre vie.
Mais ce qui arrive, c'est que plusieurs agressions, que ce soit une augmentation de pression, que ce soit le cholestérol, que ce soit des chimiothérapies, que ce soit les maladies congénitales, que ce soit des infections, on a vu avec la COVID, n'est-ce pas, le SARS-CoV-2, qui a un effet assez dévastateur sur le cœur. Alors, ce qui arrive, c'est que les cellules du muscle, donc les cellules qui se contractent, elles meurent. Et quand ces cellules-là meurent, ben, elles ne sont pas régénérées. Et ce qui arrive, c'est que c'est de la fibrose, c'est donc des cellules qui ne sont pas contractiles, qui vont les remplacer. Alors, vous pouvez imaginer qu'avec le temps, imaginez un élastique qui devient dur, eh bien, quand vous tirez dessus, il va craquer. Et c'est à peu près ça qui arrive avec le cœur. Donc, c'est un problème important. Et comment est-ce qu'on peut régler ou éviter ce problème? Alors, de façon très simple, on peut imaginer trois possibles solutions. La première, c'est de rendre les cellules du muscle cardiaque plus fortes, plus résistantes. Donc, les protéger contre les agressions. La deuxième, c'est rendre les cellules contractiles à nouveau prolifératives, donc qu'elles puissent se régénérer comme d'autres cellules dans le corps. Ça, on n'y est pas arrivé, et ce n'est pas évident que c'est souhaitable, puisqu'évidemment, à ça seront associés des problèmes de tumeurs. La troisième, c'est de pouvoir transplanter des cellules cardiaques à la place de celles qui sont mortes, ou de tout simplement régénérer ou changer le destin des cellules qui ne sont pas contractiles dans le corps pour des cellules contractiles. Et pour ça, on a besoin d'avoir ce qu'on appelle un master regulator, c'est-à-dire la clé, la protéine qui va induire toute la différenciation cardiaque, donc qui va faire que les cellules non cardiaques puissent devenir cardiaques. Et believe it or not, comme on dit, nous avons trouvé une protéine assez exceptionnelle qui est capable de faire la première et la troisième solution potentielle pour le cœur. Alors, cette protéine s'appelle GATA4. C'est un facteur de transcription, une protéine qui est dans le noyau de la cellule, qui lie l'ADN, donc à travers ce que vous voyez qui sont ce qu'on appelle des zinc fingers, mais ce n'est pas important. Et cette protéine, donc, qu'on a découvert il y a assez maintenant longtemps, certains d'entre vous n'étaient pas nés, eh bien, cette protéine, elle est essentielle pour la formation du cœur. Elle est aussi essentielle pour que des cellules embryonnaires souches puissent se différencier en cellules cardiaques. Et de fait, aujourd'hui, on est capable de différencier les cellules souches en cellules cardiaques grâce à un cocktail qui contient GATA4. Donc, c'est vraiment déjà une application. Alors, ce qu'on a fait par la suite, c'est qu'on a regardé comment est-ce que GATA4, finalement, est capable d'être ce master regulator des cellules cardiaques. Et peut-être pour résumer certaines études qui ont une application clinique presque immédiate, ce que nous avons trouvé, c'est que des agents chimiothérapeutiques comme les anthracyclines, donc la doxorubicine, des inhibiteurs des tyrosines kinases, qui sont très utiles en cancer, mais qu'on sait qu'ils provoquent une toxicité cardiaque. Alors, ce qu'on a établi, c'est que ces agents-là vont causer la dégradation, la disparition de GATA4 de la cellule cardiaque. Et lorsque la protéine GATA4 disparaît, eh bien, ce qui arrive, c'est qu'on induit l'apoptose, donc la mort de la cellule. Or, l'apoptose elle-même, c'est un phénomène actif qui induit certaines enzymes, certaines protéines. Et parmi ces enzymes, il y a les caspases. Donc, c'est des enzymes qui dégradent le reste des protéines. Et on a trouvé que ces caspases, à leur tour, donc, dégradent ce qui reste de GATA4. Et voilà, on est dans un cycle infernal duquel on ne peut pas sortir, donc un problème cardiaque qui devient irréversible. Par contre,
ce qu'on a trouvé aussi, c'est que si on augmente les niveaux ou l'activité de GATA4 dans les cellules, que ce soit génétiquement ou par des agents pharmacologiques nouveaux que nous avons développés, eh bien, on est capable de protéger les cellules cardiaques de la mort. Et ce que je vous montre ici, regardez ce qui est à votre droite pour vous, non, gauche. Alors, vous voyez les cellules qui sont un cœur, qui a été traité avec la chimiothérapie. Alors, vous voyez comment on a du blanc, c'est le panel du bas. Alors, ça, c'est les cellules cardiaques qui sont mortes. Alors, vous voyez, c'est comme des vides dans le cœur. Et lorsqu'on pré-traite le cœur avec notre molécule donc cardioprotectrice, vous voyez que, de fait, le cœur est très beau. C'est comme s'il n'a jamais vu la chimiothérapie. Alors, ça, c'est quelque chose dont on est très fier et qu'on est en train de poursuivre en collaboration avec nos partenaires chimistes d'un bord et cliniciens d'autre bord. Alors, je vous ai parlé de l'activité de GATA4 pour, de fait, les maladies adultes. Mais GATA4, une protéine donc de 400 acides aminés, est extrêmement importante pour le cœur et le changement d'un seul acide aminé de ces 450, au fait, acides aminés, est suffisant pour créer des problèmes cardiaques, des malformations cardiaques. Alors, vous voyez ici, il y a des boules qui représentent des trous, soit entre les ventricules, soit entre les oreillettes et les ventricules, soit à l'intérieur des valves. Et ce que ces problèmes-là font, ils font en sorte que le sang ne circule plus de façon unidirectionnelle. Et donc, on a des problèmes, le cœur ne fonctionne plus comme il faut, le sang proprement oxygéné ne passe plus dans les organes, et donc c'est des problèmes assez graves de santé. Ce qu'on a aussi trouvé, si vous regardez une seule de ces boules, peu importe, vous pouvez choisir celle que vous voulez, vous voyez qu'on a mis GATA4, parce qu'une mutation de GATA4 va produire ce défaut. Mais des mutations d'autres protéines qui sont des amies de GATA4 produisent la même malformation. Et donc, avec cette observation, ce qu'on a pu établir, c'est que ces régulateurs du cœur fonctionnent finalement en groupe, en gang. Okay? Et dès qu'il y a un problème avec une de ces gangs-là, eh bien là, ça ne marche plus. Donc, ça aussi, c'est très important. Alors là, je crois que je vais skipper l'autre partie scientifique. Ça me fera plaisir de revenir à Grenoble et de vous en parler. Mais je vous dirais tout simplement que nos travaux, que ce soit in vitro, clinique ou avec les animaux, nous ont permis d'identifier plusieurs gènes qui sont importants, qui causent des maladies congénitales et des maladies des valves ici. En particulier, que les modèles animaux que nous avons développés nous permettent de comprendre non seulement la base moléculaire, mais aussi de tester des interventions thérapeutiques pour prévenir peut-être gérer les maladies qui s'en suivent. Évidemment, c'est un travail de toute une équipe. J'aimerais quand même passer les trois ou quatre dernières diapos pour vous parler de mon travail comme aviseur scientifique. Et je m'adresse aux jeunes dans cette audience, parce que la science, on en a besoin partout. On a besoin de scientifiques dans les laboratoires, dans les universités, au sein du gouvernement, dans les médias, les journalistes, un peu partout. Et je crois qu'on l'a tous réalisé avec la COVID. Alors, la science, évidemment, on le sait, joue un rôle très important. Les scientifiques ont un rôle et doivent s'impliquer. Et la compréhension du public de la science est importante pour la démocratie. Et encore une fois, on le voit très bien, donc ce qu'on appelle la littératie scientifique. Alors, pour ça, il faut pouvoir travailler entre les scientifiques et les politiciens. Et je ne vais pas m'étendre sur cette diapo, puisque vous pouvez aller sur le Google et voir c'est quoi mon mandat, mais c'est essentiellement de fournir des conseils pour que la science et les évidences, les données probantes soient utilisées
dans les décisions publiques. Mais il faut aussi être humble, parce qu'il n'y a pas que la science dans les décisions donc, de politique publique. C'est un des inputs. Il y en a d'autres. Il y a des conventions internationales, il y a des considérations légales, il y a évidemment l'opinion publique, d'où l'importance d'avoir vraiment un public qui comprend la science. Alors, dans mon travail, dans mes journées, je les passe donc à faire essentiellement trois choses, à fournir des avis scientifiques, à essayer d'améliorer la qualité de la science partout au pays et justement avoir les collaborations internationales qui sont absolument nécessaires à l'avancement de la science. Mais je passe aussi du temps pour valoriser la science et les scientifiques auprès du public. Alors, pendant la COVID, c'était très important puisque là, on avait la science qui informait en temps réel les politiques publiques, donc junk in, junk out, c'était vraiment important. Les scientifiques se sont vraiment montrés à la hauteur de la tâche. Ils ont contribué partout dans le monde là, à être sur des comités aviseurs pour les gouvernements. Et je crois que c'est une leçon qu'il ne faut pas oublier, parce qu'avec tous les changements climatiques, avec tous nos défis futurs, on va avoir besoin de répéter l'expérience finalement de la COVID en termes du dialogue entre la science et le politique. Alors voilà, je vous laisse donc sur cette pensée qu'on va avoir besoin de plus et non pas de moins de science au cours des prochaines années. On a beaucoup d'espoir pour la jeunesse qui est là et le dialogue avec le public et non pas vers le public, doit être une constante. Il ne faut pas qu'on attende qu'il y ait des crises, parce que la confiance, ça se bâtit en temps normal et on en a besoin après ça en temps de crise. Alors, je vous remercie pour l'honneur et bien de revenir à Grenoble. Congratulations and thank you, Professor Nema. And now, last but not least, without further ado, I'd like to invite to the stage our last nominee, Professor Louise Richardson, and her sponsor, Stéphane Sadou. Monsieur le Président de l'Université Grenoble-Alpes, cher Yacine, Mesdames et Messieurs, dear Louise. Cet éloge pourrait s'intituler « Une grande dame aux mille vies ». Une jeunesse passée dans votre Irlande natale, frappée par la division, n'est pas étrangère à l'intérêt que vous portez très tôt à ce qui fracture nos sociétés. Étudiante en histoire à Trinity College Dublin, vous prenez rapidement conscience du rôle déterminant que jouent les récits nationaux dans la perception des responsabilités lors de conflits. Passionnée par la politique, vous poursuivez vos études supérieures dans ce domaine à l'Université de Californie de Los Angeles, puis à l'Université Harvard. Vous obtenez un doctorat et vous exercerez pendant 20 ans. Dans les années 90, vous décidez de consacrer vos recherches et vos enseignements à la sécurité internationale et au terrorisme, alors que le sujet ne suscite qu'un intérêt limité au sein des communautés scientifiques. L'histoire vous a donné raison et l'excellence de vos travaux a été très largement saluée par les universitaires, les acteurs du monde politique, comme par les médias. Votre expertise en la matière vous a amené à vous exprimer à d'innombrables reprises pour différents publics, jusqu'aux forces armées et aux services de renseignement. Femme de terrain, vous êtes allée à la rencontre des groupes terroristes afin de comprendre ceux qui nous menacent. Enseignante et chercheur d'exception, vous vous êtes également illustrée par vos talents d'administratrice hors pair, audacieuse, franche et infatigable. Successivement doyenne du Radcliffe Institute for Advanced Studies à l'Université Harvard, vice-chancelière de l'Université de St. Andrews, puis de celle d'Oxford, vous présidez désormais la Carnegie Corporation à New York. Le prestige de telles institutions ne tombe pas du ciel. Fruit d'un travail collectif sur un temps long,
il n'y en tint pas moins à la direction donnée par ses leaders. À St. Andrews, alors que le peuple d'Écosse doit se prononcer par voie de référendum sur sa possible indépendance, vous défendez la liberté d'expression. Vous vous opposez aux pressions, notamment politiques, exercées sur les universités et leurs communautés. En juillet 2016, vous devenez vice-chancelière de l'Université d'Oxford, quelques mois seulement avant le naufrage issu des urnes qui pousse nos voisins à sortir de l'Union européenne. Vous avez publiquement pris position contre le Brexit et n'avez jamais caché votre inquiétude quant à la possible érosion des relations entre les universités du Royaume-Uni et celles de l'Union européenne. Vos actions pour maintenir ces relations sont nombreuses. Aujourd'hui, nous retiendrons que c'est au cours de l'un de vos mandats qu'est signé l'accord cadre entre l'Université Grenoble-Alpes et l'Université d'Oxford, désormais partenaire stratégique de l'UGA. Pour cela, nous vous remercions très chaleureusement. En poste durant la pandémie, vous avez fait de l'Université d'Oxford un acteur majeur de la recherche pour vaincre la COVID-19. Plusieurs milliards de doses du vaccin issu du partenariat entre l'Université d'Oxford et AstraZeneca sont distribuées à travers le monde à prix coûtant. Dear Louise, vous rappelez souvent que votre propre parcours aurait été autre si des bourses ne vous avaient pas ouvert les portes des études supérieures. À St. Andrews comme à Oxford, vous avez contribué à multiplier les dispositifs à destination des plus modestes et vos mandats sont notamment associés à une hausse considérable de la diversité au sein de la communauté étudiante. Vous avez également démontré votre capacité hors du commun à fédérer les investisseurs, notamment privés, autour de grands projets au service de l'enseignement et de la recherche pour répondre aux défis sociétaux. L'excellence doit être accessible à tous, mais elle a un prix qu'à vos yeux, les seuls financements publics ne peuvent couvrir. En 2022, la grande dame devient Dame, lorsque la reine Elisabeth II vous fait Dame Commander of the Most Excellent Order of the British Empire en reconnaissance de vos services, des services que vous avez rendus à l'enseignement supérieur et à la recherche. Dear Louise, à l'occasion de deux de vos allocutions, en 2016 et 2022, vous invitiez la communauté de l'Université d'Oxford à réfléchir aux changements que des voyageurs du temps pourraient observer s'ils se retrouvaient propulsés dans le futur. Projetons-nous donc, si vous le voulez bien, au 24e siècle. Un événement a lieu, ici même, sur le campus de l'UGA, pour célébrer le millénaire de notre université en présence de partenaires internationaux. Une conférence vous est consacrée. Médusé, le public découvre qu'il aura fallu attendre le début du XXIe siècle pour qu'une femme accède enfin aux fonctions de vice-chancelière des universités de St. Andrews et d'Oxford. Au cours de cette conférence, on rappelle que, pionnière, vous avez ouvert la voie. Dans ces universités, d'autres femmes vous ont succédé. Vous êtes aujourd'hui la première femme à présider la Carnegie Corporation. D'autres suivront. Dame Louise, you're about to receive your 10th honorary doctorate. You have been and will continue to be an inspiration to many. Your life is a powerful reminder that scholars and universities can make a significant contribution to shaping a better future. Thank you. Chère Louise, conformément à la délibération du conseil d'administration de l'Université Grenoble-Alpes et au vu de l'avis favorable du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, j'ai l'honneur au nom de notre communauté universitaire, de vous conférer le titre de docteur honoris causa de l'Université Grenoble-Alpes, de vous en remettre les insignes. Merci.
Monsieur le Président, distinguished professors of the University of Grenoble, distinguished guests, I thank you most warmly for those very generous remarks, Stéphane, and for the award of an honorary degree, which I will always treasure. I'm acutely conscious of the fact that I'm the last of six to be so honored, and aware that listening for several hours is a considerable feat, even when not standing on one's feet, so I will endeavor to be brief. But before I begin, I did want to express my condolences for the death of the 10 French citizens this weekend and the disappearance of 18 others. My hearts go out to their families. Just as we are now nearing the end of our ceremony, looking perhaps a little anxiously at the clock, I feel that we in Europe are now at a critical moment in time, looking anxiously at the clock of history. Things are heating up. Grenoble suffered a 10-day heat dome in August, with temperatures soaring above 35 degrees Celsius. The future temperature of this region will not follow the curve expected in the past. Likewise, the political climate of France has altered with that of the rest of Europe since the millennium. In the second round of the 2022 general election, over 13 million French people voted for Marine Le Pen, a figure formerly considered to lie at the right edge of the political spectrum, while there were also 13.6 million registered voters who abstained from voting, and 2.2 million blank ballots submitted to protest the political options available. It seems that in the 21st century, just as the sea ice at our planetary north and south poles is melting, we face a new fragility and polarization of politics. The extremes are becoming mainstream. There is both extreme public anger and extreme public apathy. In fact, we face a crisis in democracy. What has brought this crisis about, and what can universities do about it? That is the theme of my short speech today. When I speak of a crisis in democracy, I have in mind both the global decline in democratic governance and the national decline in democratic practices in the countries I know best. According to the VDEM Democracy Report of 2023, the advances in global levels of democracy made over the past 35 years have been wiped out, and 72% of the world's population now live in autocracies. The report demonstrates that freedom of expression is deteriorating in 35 countries. Government censorship of the media is worsening in 47 countries. Government repression of civil society organizations is worsening in 37 countries. And the quality of elections is worsening in 30 countries. The Economist Democracy Index of 2020 recorded similar results, with the worst global score since the index was first produced. Now, in the UK, I think one factor in declining faith in democracy has been declining trust in politics and politicians. Sleaze and corruption scandals, such as the VIP lane, through which lucrative public contracts were handed out during the COVID-19 pandemic to favored private firms, have abounded. The so-called Partygate scandal, where US ministers revealed to have been gathering to celebrate at a time when the laws forbade families to meet, even to grieve at the bedside of dying relatives. This left a lasting bruise on public feeling, I think. Some honors are bestowed and official appointments made that are so obviously matters of political favor and allegiance rather than earned by public service, qualification, or fitness for office. One should not then be surprised when voters start to detect something rancid on the greasy pole and disengage, believing that all politicians serve their own interests rather than those of the country or indeed of the planet. Now, this decline in public trust is not limited to Britain. In America, the Pew Research Center reported in 2022 that only 2 in 10 Americans say that they trust the government in Washington to do what is right, just about always 2%, or most of the time, 19%.
In the anger and mistrust that many feel about politics and the effectiveness of their vote in driving political action, there has been increasing polarization, with a visible move away from centrist or bipartisan politics and increasing normalization of what would once have been considered extreme politics. In the year 2000, when Jörg Haider, who had made comments that suggested sympathy with the Nazi regime, formed a coalition in Austria with the Conservative People's Party, protests erupted in Vienna, and the EU imposed punitive economic sanctions. Today, Haider's party leads Austrian opinion polls. In 2019, in Spain, the far-right Vox Party, which is hostile to immigration, came third. Similar patterns are visible in Sweden and Italy, where the current Prime Minister, Giorgia Meloni, is the leader of the Brothers of Italy, a Eurosceptical Conservative Party. In his poem, Yeats wrote, in his poem, The Second Coming, Yeats memorably said, "The center cannot hold." Certainly, we've seen that politically, the center is not holding in Western politics. Views once regarded as extreme are becoming normalized. The gap between opposing views of the world is widening. The background to this increasing polarization of political views is entrenched and deepening inequality in most Western democracies. In 1989, in Britain, a rich person had 6,000 times the wealth of the average person. Today, they have 18,000 times the wealth of the average person. In 1965, a typical corporate CEO earned about 20 times the salary of a typical worker. Now the ratio is 278-1. Today, the US ranks towards the bottom of industrialized countries in terms of social mobility. Young people, both in the UK and the US, feel the intense heat of the property market and the uncontrolled fire of global warming as threatening to scorch their life ambitions before they've had a chance to bloom. It goes without saying that at a global level, of course, the scale of inequality is far worse. Where people perceive fault lines hardening in financial terms, they're less likely to come together ideologically or to perceive that their fortunes are linked. They may participate less often in democratic fora, both locally and nationally, whether in joining a community board, a trade union, or voting in an election. The crisis in democracy, then, I think is underwritten by a growing sense that shared interests and mutual decision-making are less powerful than the actions and personalities of key players who hold the most valuable political cards and play them according to rules of their own making. There are signs in more than one country that norms of accountability that once governed democratic processes are beginning to be eroded. Politicians and lawmakers are withdrawing from long-established treaties and laws protecting certain human rights, including the right to peaceful protest, seeking to strengthen their hand and weaken the hand of anyone who challenges their ruling. Client journalism is replacing open public interrogation of political policies by a free press and opposition parties. What can universities really do in the face of this multifaceted crisis in democracy? Despite the huge scale of the challenge, I believe that universities can play a crucial role in securing positive change when it comes to our democracies and to how they function. But it will require courage and determination and, wherever possible, a united response to external pressure in order to leverage the full power of this sector for good. One measure of universities' power is what researchers have coined the diploma divide. Having studied electoral outcomes since the 1990s, they have concluded that educational attainment is increasingly the best predictor of how Americans will vote. If an American has a college education, they are more likely to vote Democrat. Those without a college degree are more likely to vote Republican. The more educated are also more likely to vote in the first place. Interestingly, exactly the same effect has been studied in both Britain and France, in both general elections and indeed in the Brexit referendum in 2016. In both countries, the college educated tend to swing towards more liberal views and those without a college degree to more conservative views.
Now, one can posit many theories about why this might be so, and of course, there will be socioeconomic factors at work too. But financial stability and social class don't themselves explain the diploma divide. In fact, in the past few days, another study has revealed that, in fact, a college education is the best predictor of life expectancy in the US, more even than race, which was previously considered to be the determinant for relatively low life expectancy in the US. Now, certainly education has a major effect on democratic outcomes. And in a way, it's not at all surprising that this should be so. Higher education is a positively mind-altering substance. It exposes us to difference and ideally makes us more open to diversity of origin, of skin color, of belief, of religion, of gender and sexuality. Now, before you cry foul, I'm not suggesting here that universities should pack in more students in order to obtain any particular political outcome. I'm just noting that college education does have a potent political effect, and that one of its effects seems to be to increase participation in democracy. Another effect seems to be to increase liberalism in its broader sense of support for social inclusion. If we are looking to find a way back from polarization, extremism, and mistrust in politics, to build a new platform where a wide range of ideas can safely be tested, then we could do worse than look to universities as spaces that have a proven record in fostering belief in the possibilities of political participation and civil discourse. When we make the benefits of a university education as widely available as possible, through increased accessibility, digital outreach, part-time study options, and so on, we sink the diploma divide, which seems such a potent source of mistrust and polarization. It's also very likely that we will be expanding the views of all those who have studied with us. That expansion includes equipping people to understand political ideas and systems and to participate better in democracy at a local and national level, whatever their political sympathies are, and with greater access to a wider range of ideas. Universities, then, are already key nurturers of and preservers of democracy. They are complex ecosystems in which a very diverse group of people can find habitats that support their intellectual and imaginative growth. And we've just had a wonderful demonstration of the range and depth and quality of intellectual life in our universities. They are complex ecosystems in which a wide diversity of people can find habitats, support their intellectual and imaginative growth, just as rainforests are essential sites of biodiversity that help us to conserve and generate a host of life forms, some of them new to human eyes. So universities are essential sites that help us to conserve and generate living knowledge for the general benefit of humankind. We need to preserve them, and more than that, to preserve their health, to resist attempts to destroy their long-term benefits for short-term profit. Just as rainforests sequester carbon, helping to support our atmosphere, removing toxins and making air breathable, universities too are crucial to supporting a healthier atmosphere in civil discourse based on facts, reasoned debate, and broad-mindedness. But to achieve this, universities need consciously to foster tolerance and encourage participation. In their teaching, particularly their insistence on teaching respect for global histories, the legacies of peaceful protest, and the evolution of democratic thought, universities can educate students in a wide arc of cultural traditions and a less Western-centric idea of development than was once the norm. They can train students to see issues from multiple perspectives, to practice arguing flexibly from one side and from the other. They can foster understanding of different political practices and consider how to improve democratic systems. They can teach students to dispute civilly and well. Universities can model the good democratic society in being truly open, accessible, multilingual, multi-faith fora, where free speech can flourish, and where all feel free to express their views and their identities with respect and tolerance for others.
Universities have also had a long and proud tradition of serving as sanctuaries for scholars suffering from repressive governments and political threats to their safety, and for those who've been forcibly displaced by war, famine, and other forms of social collapse. One of my most uplifting experiences at Oxford was watching the colleges and the Central University come together to offer support to Ukrainian students and scholars. We decided to offer up to 20 full scholarships for Ukrainian students in the expectation that we'd receive a handful of applications. As it happened, we received over 800 applications, and at least 200 of them were fully qualified. Similarly, at Carnegie, we're supporting programs to help both Ukrainian and Russian scholars who are displaced by the war. Our main efforts are focused on supporting scholars to remain in the region in order to facilitate their return to rebuild the universities once the war is over. It is often the privilege of universities also to keep open channels of academic communication where international conflict or dispute mean that other forms of diplomacy are narrowed or closed. Brexit has threatened relations between Britain and Europe in the worlds of both commerce and politics. But British and European universities continue to exchange ideas, colleagues, students, providing wildlife corridors that allow ideas to move freely and collaboratively and allow projects to thrive. And this is why I'm so delighted by the collaboration between Grenoble and Oxford, which is blooming over the past several years. It's imperative that we continue these collaborations. Major threats to human peace and security transcend national borders. From climate change and biodiversity loss to invasive species, new diseases, microbial resistance to antibiotics, and hostile developments in AI technology, we need the open knowledge sharing and the trusted partnerships that universities provide to respond quickly and effectively. As threats to peace and security are typically also threats to democratic function, universities should properly be regarded as circuit breakers for sudden global shocks. In strengthening their international partnerships and soft diplomacy, they protect our global commons. A good example of this is the COVID vaccine Stefan generously referred to. It was developed by Oxford during the pandemic, but developed in collaboration with global partners in both business and research, including the British-Swedish firm AstraZeneca, research centres in Kenya and Thailand, test sites in South Africa and Brazil, and manufacturers in India. It was a truly global effort. Universities also investigate and disseminate the truths of history, of identity, of culture, making it more difficult to spin false narratives. This has never been more important. Conspiracy theories are rife, and the digital attempt to confuse and manipulate the public with misinformation and conspiracy theories have been far too successful. As research recently commissioned by King's in London and the BBC revealed in June this year, fully a quarter of Britons think that COVID was a hoax. Almost a third are willing to believe the great replacement theory, that white Britons are being replaced by non-white immigrants. And a similar number think that the World Economic Forum is an attempt to impose totalitarian world government. The pernicious and widespread effect of this toxic rumor mongering via social media includes fanning climate change denial. Often, misinformation is a form of propaganda by another name. Within hours of the Notre Dame fire in Paris, a false rumor was circulating that it had been started by Muslims. The story was baseless, but it spread itself like a fire, inflaming racist prejudice, anger, and fear. Investigative journalism in these days is underfunded, and media control is in too few hands. In many countries, journalists fear for their own lives when they report on politically contentious issues. Journalism is further undermined when important stories, such as those about the climate crisis, simply don't run because they're blocked by editors as too risky, too downbeat, or offensive to powerful patrons. I believe universities need to step up to help supply the gap in the digital newsstands with reliable, fact-based, long and short-form takes on subjects of public importance. We need to get better at communicating our research,
on climate, on science, on new technologies, to a wide public readership, not just in journal articles, but in accessible digests and thought pieces. Without a party political agenda, audience figures to keep up, or trustees who are so liable to muzzle us, universities can become staunch bastions of truth, holding the eroding line of balance and accountability, preventing the flood of misinformation and overwhelming the digital commons. So the issues I've discussed tonight together, I think, constitute a crisis in democracy and are obviously a great deal more than universities alone can tackle. Yet I do think that seats of learning have a key role to play in all the areas that I've described. I think there's everything to play for. Robert Maynard Hutchins once argued, "The truth of democracy, the death of democracy, is not likely to be an assassination from ambush. It will be a slow extinction from apathy, indifference, and undernourishment." In a way, this thought is empowering. The more we care, the less likely that extinction becomes. The more we nourish its roots, the more likely it is that democracy will continue to spread and shelter us. Democracy isn't a totem. It takes no pleasure from our belief in it or our worship of it. It won't go on working like a charm, whether we notice it or not. Rather, it's like all relationships, something we have to keep committing to. We have to keep choosing it, advocating for it, strengthening it. We have to be politically present, actively engaged, even when things are far from perfect. On a planet in crisis, sudden unforeseen stresses, tipping points, and abrupt political changes are likely. But I believe it's part of our job as universities, conceived in its widest ethical dimension, to be ahead of the curve, to staunchly defend experts and the deep knowledge they represent, to keep the public well-informed, the policy options visible, and the channels of communication between the many different actors who participate in and benefit from universities open, clear, and tolerant. We must, above all, be democratic ourselves and true to the highest ideal of what university represents. Universities offer a space where all different forms of knowledge, all manner of different people from all over the world can come together to think, to study, to share, to write, to debate. There can be disagreement without disrespect, negotiation without loss of faith, fair competition without power grabbing, fact-based decision-making without the fear of, without the heat of temper or the smoke of misinformation. Inherent in that citizenship of learning is the pathway to a more sustainable democracy. I believe it's a pathway we urgently need to find and to follow. Thank you very much for your attention and for this generous honor. So, ladies and gentlemen, we have almost, mind you, I said almost, reached the end of this ceremony. Before we start melting and mutating under our gowns because of the heat, I'd like to just quickly thank everyone involved today, of course, our inspiring and brilliant recipients and their sponsors, but also the whole staff behind the scenes, which have done they all have done an amazing job putting together this event. Some of the women are here to my right, and some of the men back there with the machines. Donc je vous invite donc à rester pour la photographie de groupe et puis le cocktail après à partir de 17h30 au restaurant d'Hydro. Mais également, nous allons faire procéder à la signature d'un Memorandum of Understanding entre notre partenaire stratégique National Taiwan University, NTU et Université Grenoble-Alpes ici dans cet amphithéâtre. Vous êtes les bienvenus si vous souhaitez rester, suivi de la signature d'une convention d'application du Memorandum entre l'UGA et nos deux établissements.
établissements composantes, Grenoble INPUGA et Sciences Po Grenoble UGA, avec NTU concernant l'accord d'échange d'étudiants. Voilà, je vous remercie à tous d'avoir été présents pour cette cérémonie. Encore félicitations aux nominés. Voilà.